Salut YouTube! Allez, on y va, retour pour une petite soirée Dawn of War. Donc on est sur le 1, pas de mode d'installé à part le mode caméra machin. On est avec JB, donc JB, Melkor, Sansu, Alpha et Trauma. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça pique les yeux. Hein. Merci Armachon. Attends, pour les 31 mois. C'est dégueulasse ça, non? Qu'est-ce qu'il y a? Et respectez les cousines s'il vous plaît. Putain, non, mais surtout, c'est ton truc custom là. Oh putain. Mais attends, oui, mais quoi, les bannières et le symbole surtout quoi. Mais non, mais il y a tout un fluff. Il y a tout un fluff. Vous imaginez pas tout ce qu'on a dû croiser et recroiser comme génération pour en arriver à ça. Est-ce qu'on va crash? Ah mon dieu, ça commence. On veut pas savoir, maf, en fait. Non, c'est gentil. Hein, mais il y a tout un fluff. Vous voulez pas savoir? Non, non. C'est fluff. C'est fluff. C'est cool. Un chapitre successeur, les cousines. Ah ouais. Oui, c'est un chapitre très très successeur. Je dirais même plus, ça aurait pas dû être successeur à la base. C'était la succession de tous. Et les lois de la nature auraient dicté qu'il ne devait pas être successeur, mais... Les cousines sont plus fortes. Au segmentum nord de la galaxie. Dans un coin reculé de la galaxie. Là où les mœurs sont très différentes. Oh putain, ça joue. C'est maintenant. Non, pas ça. Comment on joue? Putain, le pattern en jeu est incroyable. Alors, comment ça se joue là, les Eldar? Bon, bah, c'est la map est immense! Faut que tu fasses des portes warp pour augmenter ta la map est gigantesque! Pas des portes warp, putain, des oui, trucs de toile. Map! Ah oui, c'est vrai. C'est quoi ça? Ouais, map, la map est grande. Oh putain, ouais. On est pas au bon endroit, les gars! Ah merde! Oui, je suis tout seul! Ah l'aide, je suis tout seul! Ah ouais, non, ça va être chiant. On refait. On donc c'est pas ouais, bon. Ouais, je veux bien. Donc c'est pas bon. En plus, j'ai foiré tout mon bol d'ordre. T'as foiré ton bol d'ordre. Du coup, on live? Ouais, ouais. Par contre, les petits chevreuils, j'ai juste un truc qui marche pas, moi, c'est le mode caméra. Il faudra pas le dossier, mais les fichiers à l'intérieur, c'est ça? Oui. Ouais, c'est littéralement écrit sur le truc que tu DL. C'est drop in DXB ouais. Data file. Faut que ce soit dans le data file, pas dans le DX2. DXPD. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Je me demandais si c'était le dossier ou les fichiers à l'intérieur, c'est pour ça. Mais je vais drop. C'est les fichiers que tu drops dans le fichier data. Ouais, ouais. C'est fait. Mais du coup, t'es sûr qu'il faut faire launch mode parce que j'arrivais pas à dézoomer là. Ouais, c'est pour ça, c'est pour ça que je me suis bien. Rassurez-vous, les petits amis, on va jouer. Ce ne sera pas comme la dernière session Dawn of War, mais un petit restart 2-3 fois, c'est pour se mettre dans le bain. Elle était vraiment rude la dernière. J'ai créé la game, le mot de passe c'est 10 incursors. Ah, mais comment t'écris ça? C'est plus long. Mais t'es sérieux là? 10 incursors en majuscule. Et c'est tout en lettres. En 10 des mots de passe faciles. Un cursor avec un S à la fin. C'est pour voir si vous savez écrire. Attends, quoi? 10 quoi? Maf, il aura aucun mal à écrire. Mot de passe incorrect. 10 incursors. S à la fin peut-être, merde. C'est en majuscule ou en minuscule? En majuscule. Il a réussi sans soumis, c'est comment écrire un cursor. Je suis pas distrait. Mais Ziz comme Ziz ou et vraiment pourtant, les cons, ils ont des soucis de traduction, hein, mais là c'est... Ouais, mais on les a vus naître. Putain, c'est pas ça le mot de passe. C'est bon, majuscule. Mais Ziz, le chiffre? Oui, le chiffre. 1-0, connard. Je crois que t'avais dit Ziz, c'est un curseur. Dérité. On va rigoler, c'est ça. Je crois que t'étais en mode je suis à l'anglais. 10 incursors. Putain, le level. J'arrête pas de dire incursors. Putain, merde. Qu'est-ce qui se passe? Ah putain, Black, je capte. Moi aussi, j'ai mis trop de temps à comprendre. Oh putain, mais non. 10 incursors, raconte-moi une data slate. Oh putain. Vas-y, c'est chiant. Venez, équipe automatique. Je sais pas, enfin, comment on faisait la dernière fois? Je sais plus. Mais la dernière fois, on peut dans l'ordre. On peut se mettre en équipe 1, équipe 2, machin. Non, il faut mettre les 3 premiers équipe 1, les 3 suivants équipe 2. C'est ça. Ah, mais d'accord, là, c'est pas balance ça, non? Bon, après, je joue Space Marine, donc en vrai, j'ai peut-être balance. Ne fais pas la data slate. Non, je sais pas, c'est peut-être pas balance ça en vrai. Hein. Aucune idée. On va voir. Au pire, Melkor, il nous a dit que c'était une machine de guerre. C'est la game de chauve, de toute façon, on s'en fout. On teste la mémoire de tout le monde. Sansu quitte la game et rejoint. Putain. Ah ouais, ok, super. Et comme ça. Mais non, mais c'est bon, on la teste comme ça. C'était cher à nous. Ah non, ah merde. Attends. Ah bah, en fait. Attends. Hop. Ah merde. Non. Allez, on recrée la game. JB. Ouais. Quitte la game. Quoi?
J'ai galéré à écrire ton truc. Alors, de merde. Maintenant, enroule-toi dans du jambon. Enroule-toi dans du jambon. Mais bon, je peux revenir. Faut mettre aléatoire, ça doit être ça. Alors, ça doit être ça, vous avez raison. Bon, rejoignez comme vous voulez, ça change, c'est ça. Huile-toi, et puis reviens à 7. C'est bon, on s'en fout, tu peux revenir. Ah, c'est bon. De toute façon, on s'en fout, on peut rentrer dans un slot, non? Ah non, on peut pas. Du coup, JB et Trauma, vous mettez équipe 1. C'est un vieux jeu. Keeper, d'accord. Et Melkor, Maf, Sansu, équipe 2. Mais y'a pas placement fixe comme dans Company of Heroes là? En fait, y'avait placement fixe, mais non, faut mettre aléatoire. Et aléatoire, ça vous mettra forcément du même side. Ah ouais? Ah bon? Intuitif. C'est vachement logique ça. Le placement aléatoire est fixe. Ouais, ouais, non, c'est bon, on a compris. Merde, putain, c'est pas de question. Mettez-vous prêt! Tenez! Déjà, y'a pas de bug, mais faut que nous, on soit pas débiles pour lancer la game. C'est ça la deuxième étape. Y'a les bugs de cerveau. Ah non, je suis en aléatoire. Ah. Sans sous, random pour les hommes. Trauma, sans sous, peur. Trauma. Non, non, non. Ça s'en souche, je trouve que ton schéma de couleur il est quand même un peu énervé niveau couleur. Mais il n'y a pas d'orange. Ouais. C'est ça va pas être bon. Il n'y a pas d'autre couleur non plus. On va voir. C'est vert, c'est pour les yeux. Vous pensez que ça va pas être bon les emplacements là? Oh non, les gars. Écoute, on va bien voir. Il faut pratiquer le gaming là, c'est quoi ça? Si vous êtes en aléatoire, le jeu vous met du même côté normalement. Ah bon? Oui! Oui, c'est bon! En effet! Ils avaient raison, ils ont vibré. Le chat a toujours raison. Oui, c'est merci. Sauf quand il a tort. C'est vrai ça. C'est vrai qu'il a tout le temps raison sauf quand il a tort, c'est totalement vrai. Waouh. C'est vrai que la map est tellement. Il marche en dézoom là? Ça va être on va marcher un moment. Comment mon dézoom il marche pas par contre hein. Non, alors qu'il marchait sans que je lance le. En lançant base game. Trop bizarre. Parce que j'ai pas relancé le jeu alpha pour pas vous emmerder, je le ferai après. Je crois que même t'as pas besoin. Hein. Je suis même pas sûr moi. Le chat, vous, ceux qui ont l'habitude de Dawn of War, c'est dézoomé ou c'est pas dézoomé? Non, le dézoom il marche pas chez moi, c'est évident. Moi ça l'est pas, mais pas grave, on verra après. Qu'est-ce que je fais? C'est où? Ça. Il y a vraiment un truc que je dois setup, c'est des, bouger la souris avec le clavier. Bouger l'homme, la caméra avec le clavier. Ça c'est vraiment mieux. Mais bon. Putain, ces sons, ils sont là pour servir. C'est beau, oh, ça fait plaisir. Cette douce musique. Ok. Ça joue là. Là ça joue là. Ça joue là, ça y est, ça y est. Là c'est sérieux là. Là ça rigole plus. Là, c'est fini, c'est fini. Terminé de parler Data Slate et toutes ces conneries là. C'est fini là. Ah bah, c'est Data Slate la gueule là. D'accord. Moi je suis pacifiste perso. Bim, balaboum. Comme tout bon nécron. Ah oui, oui. Moi tant que vous venez pas chez moi, y'a pas de problème. Hein. Ouais, le problème c'est qu'on est déjà tous chez lui quoi. C'est ça. Et là c'est chez toi? Oui, là c'est chez moi. Et là c'est chez moi aussi. Là c'est chez moi. Oh mais t'abuses aussi, moi je savais pas hein. Ah, fallait être là. Non mais il veut pas nous inviter, il veut pas nous inviter. C'est à dire que ça fait 3000 ans qu'on a dit que c'était chez nous, le PLU est assez clair. Vous êtes beaucoup trop... Vous êtes beaucoup trop RP. Je crois que tu t'es trompé de quelques millions d'années mon cher Sancho. Non, les anciens sont morts. Il faut faire le deuil maintenant. Il faut avancer. Allez, on va de l'avant. Les anciens, non? T'as pas l'air de trop les apprécier, les anciens. Y'a un souci avec eux? Je sais pas. Je connais pas ces gens. On en est là. Pas envie de les connaître. Ah ouais. Donne pas envie, a priori. Non. Pas intéressé. Merde, ils sont. Ils prennent le mid! Oula, oui. Reviens ici. Attends, qui est avec moi déjà? Laisse mes scouts, j'ai pas fini de les perdre. C'est vrai qu'ils y prennent le mid, mais en fait on sait même pas de quel camp il est. C'est ça. T'es avec moi je crois, non Alpha? Je sais plus moi. Je crois qu'on prend le mid. Ouais, je crois que c'est bon. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Je suis pas certain. Mais non, il peut pas, c'est ce qu'il me semblait. Oh, tout de suite. Il y a un truc. Méchant, vous tirez dessus. Méchant. Moi je suis là pour apprendre aux petits jeunes. Moi je suis en jaune, moi je suis impérialiste. Fais une data slate déjà. Fais une data slate. Ah c'est pas mon boulot. Mais putain, bah, c'est data slate déjà avant de nous dire des trucs là. Ouais. On sait que c'est toi qui l'ai fait, mais le corps commence pas. Franchement le jeu est vraiment plus équilibré si c'était moi. Allez, il y a les cousines au milieu. Il y a les cousines au milieu. Ah. Oui seigneur.
Oui, putain, on se fait enfoncer fort là. Marcher d'un pas souple. Une arme. Bon, ça arrive de toute façon. Chaque hôtel bus, t'inquiète. On est où? 1, 2, 3. J'ai Emmanuel Necron qui se ramène. Pour en avoir une de plus, ce serait bien. Parce que je t'ai dit que t'étais chez moi. On subit des tirs. Ah, salut cousine. Ah oui. Ils sont très nombreux en bas. Hein. Oui, oui, mais c'est bien ce qui m'emmerde en fait. Moi j'ai raté mon BO. Hein. Ah ton BO. Mon BO. Hein. Ah, vas-y, vas-y. On va voir ce qui se passe de l'autre côté en vrai. Ça pourrait être marrant. J'ai des agriculteurs en colère chez moi les gars. Ils viennent de retourner tous mes panneaux. Ouais. Ils brûlent des pneus. Il y a du fumier partout chez moi là les gars, c'est un peu la merde. Il sent pas bon mon fumier. Non. Voilà mais hey, le what happened to nos rush 15. J'étais premier degré hein, il y a plein de mecs là. Merde, putain, j'avais pas vu. Ah, ils ont suivi jusqu'au bout, les cons. Ah, JB, oh, putain, JB, il y a quand même beaucoup de similarités avec mes couleurs. Hein. Non. Bah, tous ces morels, on sait plus où on en est. Attends, c'est qui celui-là? Allez, les renforts, là, on y va. Mais c'est une game Résidorus ou quoi, là? C'est quoi tous ces morels? Putain, pas de quoi tu parles. Oh bordel. Il est où mon travailleur là? Putain, j'ai perdu un worker, je sais pas ce que j'en ai branlé. Et là. Mais... Ah ma... Je JB, je vous demande de vous calmer. Non. Je recule avec lui. Défoncez-moi ces connards. Ah ouais, oh. Ouais, il y a une certaine forme de violence là. Oui, ouais. Il y a de l'agressivité. Beaucoup de excusez-moi, c'est là. C'est l'habitude. L'habitude de jouer des factions énervées. Voilà, allez. Ah merde. C'est des copains ça? Ah non, c'est pas des copains. Putain, fais chier. Comment ça tu te TP toi? Qu'est-ce que c'est ça? Il va me falloir de l'aide. C'est de la technologie. Bien coup de au milieu s'il y a quelqu'un. D'ici quelques années. C'est de la magie. Oh, je me casse. C'est de la magie, démon. Oh, c'est qui la bataille de son nouveau truc là? Putain. Oui, Seigneur. Et Hyperphase. On se casse, on se casse. Ouais. C'est qui la bataille fist? C'est moi. Et toi? Oui, Seigneur. Bon, c'est un peu comme un Black Templar quoi. Allez, boys, on y ouais, on tient bon. C'est le papa quoi. C'est la même chose. Ouais, oh, rien à voir. Si, c'est pareil. Rien à voir. C'est fils à papa. Il faut des renforts là. C'est tous pareil. Ouais, plus spot, non. Imbalaboum. Non, c'est le fils à papa. Ça arrive. Eh mais je reconnais ça, c'est... Eh merde. C'est une tourelle ça. Je veux bien de l'aide au milieu si jamais. Tu devais un, ça m'aiderait bien. J'arrive. Oh. Incroyable quoi. Vas-y, mets le cuche. Oh, ça sort déjà le marteau. Bah écoute, on va se faire ça. Il est où mon... Ah voilà, nickel. Pico Alpha. Coucou. Imbabou. Vas-y, hein, si tu veux. J'ai fait un peu... On va ramener ça. Mets le cuche. Oui. On push. Oh bah... moi je vais le laisser un peu quand même. Non, non. Après, bah, ah c'est chiant, j'ai oublié ça. Attends, fais chier. Hein, en vrai Alpha, là. Ouais, allez, allez. Je suis. Mais fais gaffe, Melkor, il va falloir reculer. Ah. C'est pas prévu ça. On va essayer de se sortir ça. Merde, j'avais pas vu. L'aide. Faut que tu frontes, bro. Moi je suis en train. On va avoir besoin de mon worker. D'habitude, surtout. Qui branle rien. Ah. Oui, Seigneur. Scoot, prêt. Oui, Seigneur. Ah, y'a des fuckers. Ah mais... Il serait pas mal. Ils sont tout bleus. Mais... Ce serait d'avoir lui aussi. Non, assiste ça.
Ah, il y a pas le phare. Bon, je... Si, je suis là. Vas-y, fonce. Okay. Ils attendent nos instructions. Je crois qu'il joue bien Black Templar là. Vers le ciel. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Ah, il a pas le. Nice. On se replie, meuf. Peut-être un peu tôt pour faire ça. J'arrive au mid. Un bel assaut. Un bel assaut, Alphacast. Et tronçonneuse là, ça okay, tronçonne okay, bien. Ok, ok, évidemment. Oui, seigneur. On se fait bien, ouais, bravo. Chez toi, il y a le boomer qui arrive. Ouais, j'ai mis un peu de def. Alors, les cousines qui sont pas mortes, levez la main. Il est où mon chien? Faut-il rester là-bas? D'accord. J'ai mis un peu de def, mais ouais, il y a du monde quand même. T'inquiète. Bim bam boum. Ouais. Melkor, quel est ton projet de vie? Mon projet, on va consolider, on va faire des fortifications. Ah merci Albus. Est-ce que j'ai choisi un périphérique pour ça? Peut-être. Il va falloir que je relève ça. Ah, je vois. Ça joue à thème, j'aime bien. Le mec. Ok, on n'est pas trop mal. Oh ouais, mais il se TP, le hyperphase relou là. C'est fort sa connerie hein, en vrai. C'est fort sa mire. BIM! Popez-moi ces salauds! Je leur sens! Dis donc, est-ce que c'est bien. C'est pas un peu hérétique ça? C'est un peu hérétique quand même le cannibalisme? On en parle? Vas-y, trauma. Ouais. Ah, micro-interruption IRL, je reviens. Ah, ça coûte cher ça, et c'est chiant. Et c'est un custo. Oui, seigneur. Oui, seigneur. On a moyen d'avoir. Oh oui, c'est beau. Ça me plaît. Ouais. Mais le corps, je vais te laisser 5 minutes. Oui, seigneur. Ça marche. Je vais voir s'il n'y a pas une data slate dans les buissons, j'arrive. Slate dans les buissons. Ok, ça c'est cool. La croisade. C'est pas nous ça, putain, j'ai pas fait gaffe. Oh, il va ah, venir, bah, il va bas, venir donc. Full truc. Changez-moi ça pour la croisade. J'ai aucune idée si je suis en train de gagner ou perdre ce fight. Ouais, au moins il y a de l'essai. J'ai entendu le bruit d'épée d'un lâche. Waouh. Oh. Merde. La croisade gagne! Il balance à moitié connard! Non, ça va être chaud là. Il faut ouvrir la gueule! Fumer le nécron! Bouge mes frères! Je sais pas, non, il a réussi à se TP. Je sais jamais en fait, c'est trop relou. Je sais jamais si. Ok. Si je lui ai tué ses unités ou pas. Ça fait retourner, putain, GG. Bien vu, bien vu. Je la corde seule à maf. J'ai assez pour ça, encore. Ok. Défendre par la main. Moi je progresse sur 100 sous. T'as raison. J'ai comme d'hab. Hein. Un salaud. Et je sens une certaine forme de rancœur. Non. Je joue Black Templar, j'ai de la rancœur envers tout le monde. Sauf ne demandez pas pourquoi, on sait même plus pourquoi on est en croisade. C'est une question de principe. Et...
c'était pas forcément très utile, mais... Bah ouais, c'est ça le problème, c'est que si je fais ça, je fais pas ça, quoi. Ok. Je me dis souvent. C'est un vrai problème. Il y a des vrais problèmes qui se posent parfois. La croisade devient un hobby. Les Black Templars in a nutshell. La croisade devient un hobby. Ah, bonjour Alpha. Bah. Vas-y, on la défense. Qui campe, là. Oh là là, allez, bim. Bah, c'est RP, hein. C'est RP. Fortify, fortify, fortify. Je veux dire, bon, c'est adapté là. Faut l'empêcher de reprendre son petit générateur là. Ouh. Bah dis donc, ça vient d'où toutes ces recrues fraîchement arrivées là? Je vois pas de quoi tu parles. Oui, en mouvement. On est sous le feu. Défoncez-moi les. Mais oh bon. Ah, on fait pas le truc d'archiviste. Hein. Ah non. Hein. Ah, surtout pas. T'intéresse pas. C'est normal qu'on se poursuit, c'est débile. Okay. Ça se passe comment, frère ultramarine? Bah, je tue un seigneur nécron et après j'avise. Bon, avec Maf, on se prend des points puis on se les reprend derrière. Ouais. La bagarre. J'ai quelques lance-flammes, il a pas l'air d'aimer. J'avais pas vu. Paf. La grosse baston. Ah, putain, on peut le faire avant ça? Ah, oui, je prends ça. Je prends carrément, je savais pas. C'est oula. Beau. Ouais, j'ai un petit freeze. Ça va, c'est oula. Un crash. Ah non. Ah non, j'ai un freeze. Ah non, on est bien là. C'est bon. Là, j'ai eu un freeze tout à l'heure aussi. J'ai eu moult peur. Ouais, attention, t'es trop au nord, la bus, qu'elle soit pas à tuer. Ouais, c'est pas mal, mais je pense qu'il va arriver trop tard. Ok, on se casse. Comment ça, tu veux pas faire la fête? Non. Autour du bureau de l'angoura. Va falloir que je renvoie... Il y a un écran qui pêche un petit peu. Lui là-bas. Il y a un écran qui est en retour bureau. Oh putain. Ah non. On a reculé. Ah oui, il y a un drôle d'assaut là quand même. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Faut aller au nord là. Ah, c'est trop chiant. C'est bon? Non, toujours pas bon. Ah oh, mais non, mais ça c'est pas marrant ça. Oui, seigneur. Ok, je peux plus jouer. Comment? Ah. Parce que je suis en retour bureau et dès que je clique sur le jeu, mal. Ça me fait un retour bureau. Oh non, ouais. Non, c'est un ah, on te pousse ah, pas, si. Attends, t'as pas réglé le truc. C'est ça si, aussi. Si. C'est la contre-attaque. Ah non. Mais c'est méchant. Tu mets sergent en plus. Ah, le thème du Force Commander. Qui est lui, il est tout seul. On va se calmer, bonhomme. Allez, tenez les potes, tenez bon. Tendrette qui se bat tout seul, c'est normal, ça. Hein. Mais quand est-ce que les enfants arrivent? Putain, mais je suis pas bien encore. Jean-Michel, tu nous emmerdes. De bon, je joue. Ouah, putain, c'est chaud de prendre dans le même temps. C'est bizarre, là, c'est... Viens bon, Johnny. Putain, la situation est critique. Mais du coup, il est pas censé sortir, lui? Ah, non, pas encore. Dans cette version, les ressources sont partagées entre les teammates, ou... je me rappelle pas. Oui, c'est partagé. Ouais. Oui. Ah bon, sortais comme non, ça. Non, je pense pas. Si, le taux, bah, le taux est partagé. Ouais. Le taux bah, est partagé. Moi, j'ai une ressource que personne. Oui, non, d'autre. Mais toi, t'es différent. Toi, t'es spécial. T'es pas né pareil. Je dis pas ça parce que je suis Imperium. Super. T'as pris beaucoup trop à cœur ton nouveau rôle. Hein. T'es pas pareil que nous. C'est bien. Dis-lui Alpha. Dis-lui les mots. Putain, l'autre là. Ça, c'est la propagande. J'ai peur, les gars. Je me fais peur, je sais pas ce qui m'arrive. Ok, bon, on est pas trop malin. Ça va être chaud. Y'a un trauma au centre là? Je suis pas d'accord. Non, c'est pas moi.
Oh putain, du coup, oh, je me fais pousse, j'ai besoin d'aide sur la gauche. Oh, j'ai trois armées qui m'arrivent dessus. Mais on est que deux. Il y avait Mafia deux secondes, tu mens. Quoi? Je suis pas là, moi. Mais c'est ça, t'étais là il y a deux secondes. Pas de quoi tu parles. Putain, ça va galérer. Ça partait si bien. Oh bordel! Oh! Ça va, ma? Oui. Il a l'air énervé, ton pote là. Plus des squads! Oh la vache! Moi je me barre. Hein. Je me barre! Ne barrez pas, moi tu restes pas! Jouez! Ah bon? Comment? Mais t'es en retour bureau ou je suis là, jouez! Mais on les dévente, please! On joue! On drop 3 squads de dépeceurs dans le dos, please! Allez, vas-y! Il se barre, j'ai envie de crever, il se barre! Mais non, je me barre pas, mais c'est Melkor, c'est lui le lâche! Il est même pas foutu de tenir une ligne ou de sortir une dame! C'est bien, on brise leur rang! Y'a plus de cohésion! Démerdez-vous! Mais! C'est lui le lâche, je meurs! Cool, bravo! Oh putain, j'ai tout perdu! Oui, t'as pas tout perdu, tu restes. Pourquoi il va là-bas, lui? Follow me, eux! Bon, ça va. Revenez tout de suite là, revenez ici! Wow, on vient ici, viens tête de notre zone! Jusqu'au bout! Ok, je rigole! Melkor, do something! Je regarde, j'analyse! C'est l'instrument de volonté, ça me fait plaisir en temps. Mais t'as vu, regarde, ils sont partis. C'est vraiment ça le Black Templar de base. En sud, au sud, là, y'a le Xenos là. On défonce le Xenos. Putain. C'est pas mal par contre, c'est bon. Suffit maintenant. Ça va être ça. Ça. Med, ce 3-20. Ouais, 2 secondes. Donc. Okay. Pour équilibrer, faudrait que tu fasses un retour bureau, 3-20. Non, mais sans sous les bacs là. Oui, je suis là. Nice. Non, mais ça fait tellement longtemps que je suis là que je peux être bon joueur. Waouh. Ça baisse pas aux stratégies de l'Imperium. Je te dis là. Qu'est-ce que tu dis? Mais putain. Je te jure. Bon bah si il reste des inactions, regardez. Vas-y, viens là, au lieu de râler. Retraite les gars, ils font mal. J'arrive, Sébastien. Melkor, sors de ta tranchée. Je sors de ta tranchée. Elle est très bien ma tranchée, j'ai trouvé du tout en plus. Ok, ça c'est cool. Oula. Non, c'est pas le bon. Bon, t'as lancé l'assaut. Faut que je recule. Jusqu'au bout. Ouais, vas-y. C'est pas Sigmar ici, excusez-moi. Oh, y'a quelqu'un qui fait mes demi ou pas? C'est un journée. Pour savoir à quel point on est baisé. Ouais bah bouge ton cul. Moi j'ai fait un clic, j'ai eu. Oh la base de marine au nord à l'aide. Pourquoi je m'en prends toujours deux en même temps? Mais c'est un enfer. Le pathfinding des fois c'est... Ouais, ouais c'est compliqué moi, hein. Parfois. Ouah, okay, c'est la désorganisation totale. Okay. Oh c'est chaud. Ça va aller JB. Ouais qui mise ça. Cover. Je me fais éclater derrière. Bon le mythe ça lâche hein. Là, il va mourir hein. Jamais. Je fais du 1 contre 2 mais je vais mourir là. Ah bah on fait pareil de l'autre côté. Ah, c'est pas possible, ils sont que 2, ils sont que 3 hein. Ils sont que 3. Mais non, mais dans l'autre sens. Moment, il y a un problème dans les calculs, les calculs sont pas bons chef. On va trop les ressortir ça. La discussion. Ah bah j'ai perdu la bagarre. Oh mais c'est pas grave, les nécros. Va les aider Trauma. Ouais, t'inquiète. Au secours. Arrête de crier. Je me fais envahir. Il y a deux armées qui sont à mes portes. Oui, seigneur.
Apportez-moi la tête de loup. Oui, Seigneur. La tête de loup. Seigneur des anneaux. Loup. Ah, aux portes de Minas Tirith. Hein. Même que quand Aragorn il tape dans le truc, il va se casse l'orteil. Ah oui, je connais cette anecdote. Effectivement. Ouah, c'est chaud. C'est chiant, comment, ce jeu, c'est bien. Je viens un coup de main, hein, si jamais. Attends. N'hésitez pas. Comment on fait? Putain, comment elle marche la téléportation, je sais plus. Merde, une seconde. Vraiment. Ah bah, je me fais push. Ah, tu dégages, par ailleurs, vous avez été redcon. Ah bah, c'est comme ça. Au bordel. Mais attends, y'a quoi là derrière Star Wars? Allô? Non, je sors ça. Mais j'aime pas les trucs qui détirent en direct, c'est pas mon délire, JB. Ah! Je me fais défoncer, putain! Ah, ça fait quoi, JB? Mais t'as qu'à venir tout seul, putain, t'as mis sur tes copains! Mais y'a trauma qui arrive. Putain, t'as toujours eu des impôts à fils pour te sauver de la merde, hein! Putain de merde! Non, mais de temps en temps. T'es vraiment fou! Avermide, ma femme Avermide! Oh merde! Shit! Qu'est-ce que tu fais là? Bon, je suis en train de crever, hein, si jamais ça vous intéresse, c'est mon équipe. Ils sont dans ma base, voilà, il y a deux armées depuis là, mais un petit moment déjà. Je suis là pour t'aider, mais ils ont beaucoup de force, je suis tout seul là. Je fais au mieux. Et voilà, je suis en train de me faire défoncer, c'est la fin pour moi. Comment ça, c'est la fin? Oh non, je suis mort là. Je vous avais dit, je me fais des rushs, mais là c'est fini. Non, mais je suis là, j'ai bien, mais y'a beaucoup qui me retirent. Ah ouais, mais t'arriveras pas à temps en fait, c'était avant que j'aurais eu besoin d'aide. Enfin, il est en train de tout casser pour moi, j'ai fait un joli truc. Venger ma mort! J'envoie un feu nourri sur eux. Trauma, il est. Pourquoi il envoie du feu? Trop nombreux pour moi. J'ai du monde, ouais, j'ai du P-Hop. Agnan. Agnan le Dread. Agnan, JB! Oui, j'avais dit. Vas-y, fuis. Je fuis, y'a pas de problème. Maf, où tu vas? Victime. Bah, sortez si bien. Le D6 plus 2 de dégâts, ça intéresse pas. J'arrive, Maf. D'accord. Ça push! C'est dans la tête tout ça, Maf. La baston. Merde, j'ai pas construit ça. Alors, besoin d'aide Albus, ça j'ai beaucoup sur moi. Ah. Non, la tête. Putain, j'ai pas fait cet upgrade, j'aurais dû le faire il y a un milliard d'années, je suis débile. Mon Dreadnought. Hein, sans sous. Oui, c'est bon, c'est repoussé. Mon Dreadnought. Ça va arriver chez toi, Albus, t'en souviens. Ça c'est... Vous voyez, c'est à cause de votre connaissance Astartes. Si vous étiez un peu plus créatif dans vos stratégies, on n'en serait pas là, les ultramarines. C'est votre faute. Soyez comme les cousines, à la frontière de l'hérétisme, mais jamais complètement. Moi, je suis bien, hein. C'est ta base que je défends, en fait, là. D'ailleurs, je suis en train de repousser. Il est sérieux, bien. Il est sérieux, là. Après que le Black Templar ait répondu au début de la game, il est en mode, mais c'est moi qui te défends, là. Bah là, pour le coup, maintenant... Mais tu vois les Nécrons qui te foncent dessus, le Boy Scout? Tu as deux armées sur toi, Dreadnought. Open the eyes. Bon, allez. Allez. Ça va saouler. T'es en train de tanker pour toi, littéralement. Mais je tanque pour toi aussi. On tanque pour nous. C'est pas la question, putain. Eh bien, c'est parfait, alors. Ah, bah le voilà. Chargeur. Il a tout cassé, mes termites. Oh. J'ai bombardé dans son dos et il a eu de gros dégâts. Mais t'es sérieux, tu bombardes mais... Merci Troma. On voit où va la véritable allégeance. Je savais qu'on avait bien fait de le payer celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Perturabo, vous touchez nos troupes. Bah les couilles. Laissez un message à ma secrétaire. Oh putain. Et c'est passé. Putain. J'ai qu'une... je sais pas combien d'unités derrière. Allez gars, faut retourner en orbite, y'a une croisade qui nous attend. Je vous TP à bord. Ah, c'est parfait. On laisse les schtroumpfs sur la planète, ils géreront la reste. Non mais très sérieusement, le move était bon hein. Vous avez trop d'unités hein, qui ont pris le truc. GG à tous. Bon. Bon,
on a fait notre taf, on s'est fait trahir par les Schtroumpfs. Non. C'est super. T'as eu deux mecs qui ont volé, j'ai tué la majorité. Calme-toi, le reste. Moi ouais, j'ai perdu toute mon armée, je suis triste. GG à tous. Moi j'ai quitté, hein. Je sais pas si. J'ai quitté, hein. T'as quitté vraiment? Bah oui, j'ai quitté la game. Enfin, genre j'ai fait GFF en mode GG. Ah, carrément. On s'est fait téléporter par. C'est Papa Elbrecht qui nous a dit qu'il faut se TP, on se barre. Prends tes affaires, on s'en va. Non, c'est loose. Ouais, je pense. Oui, on était 2v3 donc. Tout ça à cause du codex Astartes. Bref. Ouais. Toujours les mêmes problèmes. Hein. Toujours à cause de leur bouquin de merde là. Super. Waouh. Super. Alors qu'une bonne épée tronçonneuse. Hein. Alors. Je vais chercher une autre map. Oh, les petits Terminators là, quel zizir. Bon, c'est bon, on quitte la game du coup. Ouais. Ah bah non, c'est pas marqué vainqueur. Hein. Ouais, c'est pas marqué vainqueur. Ouais, oui. Tant qu'il y a personne qui pleure, moi je quitte pas. C'est pas bon que je pourrais quitter, je pense. Moi, il reste une base à détruire, on y va jusqu'au bout. Ah, les serviteurs des Nécrons, ils sont bien dégueulasses là. Les dépeceurs. Ah. Oh. Qui est dégueulasse? Ah, c'est pas beau, hein. Faut cramer ça. Ça brûle bien ça. Ça brûle bien. J'ai un petit freeze. C'est le freeze de la victoire ça? Ouais, c'est le freeze de la victoire, je pense. Waouh. Les BT en mode, moi une fois j'ai appris à lire. Eh ben je souhaite ça à personne. Là, par contre, c'est bien freeze quand même. Bah, c'est parce qu'on a bien gagné. J'ai créé la game. Le mot de passe, c'est Nécron OP en majuscule. Ok. Waouh. Ok. Ce soir, Alpha, il veut. Il va falloir sortir d'autres unités que les Space Marines d'assaut. Il n'y a pas d'épée tronçonneuse sur les autres unités. Ça m'intéresse pas. Bon. En vrai, ça marchait plutôt bien, hein, mon Marines d'assaut au début de game. Début mid-game, c'était pas mal. Je pense que Nerly, c'est pas mal, oui. Bah, Nerly, c'est fort. C'est juste jouer plus Raven Guard que GG en tout cas. GG. GG. C'est quoi, Nécron OP? Nécro OP en majuscule, ouais. Parce que c'est vrai. Je m'abaisserai pas à plus d'arguments que ça. Ah, attends. Je m'en vais quand même prince. On joue comme ça? Bah là, de toute façon, on garde le même truc en placement aléatoire. Comme ça, on sera tous du même côté. Ouais. Donc on s'en fout. L'ordre dans lequel vous rejoignez, on s'en fout. On fait quoi ou les équipes? Peut-être sinon. On fait quoi les équipes? On... Je sais pas. C'est une map FFA, ça, en vrai, on peut la faire un FFA. Merde, putain, t'as changé de mot de passe sur Alpha? Il y en a toujours un qui pleure parce qu'il est éliminé en 10 minutes, du coup on le laisse tranquille et puis au bout d'une heure et demie, il casse la gueule à tout le monde. C'est quoi le mot de passe Alpha? C'est la fille qui whine le mieux. Le mot de passe, s'il vous plaît. C'est celui qui a le meilleur. Le mot de passe. Venez. Le mot de passe. Je suis coincé dehors, on veut me la porte. Nécro OP. Majuscule. Toc. C'est quoi le mot de passe majuscule? OP pas AOP hein. J'entends rien. Dis un curseur. HAUT espace PE. Putain. Non, Nécron OP. Ah ok, putain, j'entendais rien. Mais ta gueule. Bravo JB. Attendez, en vrai moi je suis chaud, on fait on fait trois équipes de deux. Ouais, pour changer. Mais il y a des maps pour. Boy. Y a des maps pour. Ok. Je crois qu'il y a une map qui est faite pour. Bah celle-là c'est pas mal non. Ah oui non mais remarque tu me diras, faut être vraiment. Bon Alpha, tu veux un renfort de croisade avec quelques cousines? Je cherche, hein. Il me semble en avoir vu une avec trois. Zboui. Putain, mais elle est où cette map? J'aurais juré l'avoir déjà vue. J'ai cru qu'il y avait une map qui s'appelait Alarus, non, Alvarus. Merci Ekera pour les 30 mois, merci Lombi pour les 44 mois, merci Barakvar pour les 7 mois. En vrai, moi, c'est le combat, merci pour les 16 ça mois. Le fait, je pense. Ah, c'est ce que je me disais, ouais. C'est ce que je me disais. Armachon, merci pour les 31 mois aussi. En fait, en cercle, c'est bon.
Mais bon, allez, celle-là, Mortalis, elle est tellement. Sur la bataille pour les cousines. Ah, ouais. Celle-là, ça fume, c'est vraiment genre. Déjà avec les Space Marines, je suis pas particulièrement fort, mais alors avec les autres factions. Tuer, con. Hein. Il y a écrit tuer. Peut-être que je changerai après. Elle est trop con cette map, je l'aime trop. Bah, let's go. Équipe 1, Smaf et moi. Équipe 2, à vous de voir. Merci King Charlemagne pour les balles de moi. De toute façon, vous êtes obligé de vous mettre dans l'ordre parce que sinon ça va pas. On non, va non, être à côté. Non, non, ah non, s'en fout. Réglé, ça. Ah, ok, d'accord. Ok. Je suis bon, deux. Bah, c'est qui? C'est Melkor. Melkor, voilà. Bon, bah, let's go. Bon, JB, tu me sens sous JB. Ok. Ouais, vas-y, viens, s'en fout. Pour l'empereur, tout ça. J'avais trop envie de jouer avec toi en plus. Très bien. Tu vas oser jouer avec des Xenos? Non, mais en fait, c'est des Iron End, je les reconnais. Mais pourquoi tu joues pas sort de bataille? Ils sont tout noirs, c'est bon. Moi, je pourrais tester, mais j'ai jamais joué sort de bataille. Ah, si tu testes les sorts de bataille, je teste les Zeldar. Bah écoute, si je m'en refais dans Space Marine parce que je teste Space Marine. Et si vous faites n'importe quoi, je teste. Sinon, je teste tôt si vous voulez. C'est au choix. En vrai, je veux bien refaire une en Space Marine et après, je switch en sœur pour essayer, ouais. Allez. Et là, je vais prendre ma revanche. Je peux pas rester là-dessus. Allez, bah du coup, moi, je passe. Ouais, allez, les cousines. Je prendrai Astra après alors. Ah, ça marche. Ah, un petit Steel Legion là pour faire Hell's Reach. Ouais, allez. J'aurais fallu des orques. Tu peux pas jouer Astra maintenant? Là maintenant? Vu qu'on est en alliance, ça fait fluff. Ah ouais, d'accord, ça fait fluff, bon bah très bien. Te force pas, mais ça serait bien que tu joues ça maintenant. En vrai, tu sais que c'est pas ça. Non mais en vrai, on va certainement se faire défoncer la gueule, mais c'est pour le fluff. Tiens, je prends les Coravan Conservator, voilà. C'était mieux avant. Tu les as pas en beige? En Steel Legion? Y'a pas? Full beige, quoi. Y'a peut-être pas Steel Legion. Faut qu'il soit beige, ouais, avec des manteaux beige. Comme Juice. Tu peux pas jouer tôt, ils veulent pas. Proposer, ils sont pas. Non, mais c'est normal. C'est normal. Ça, allez, reste comme t'es là, c'est voilà, bon. Comme ça, voilà. Allez. Allez. Je tiens à préciser que c'est mon allié qui a demandé que je sois garde impérial maintenant. Donc, du coup, bien évidemment, j'allais dire ne nous attaquez pas, mais j'ai oublié que je jouais Black Templar, donc allez tous vous faire en cul. Je peux te mettre prêt, ma. La diplomatie terminée, c'est vrai qu'il faut que j'arrête de mes réflexes diplomates là, faut que j'arrête. Autant pour moi. C'est le rien de me faire foutre. Un Roland du bien suprême, autant pour moi. Excusez-moi, c'est gentil. Faut que j'enlève ces mauvaises habitudes, c'est vraiment à l'opposé. Ce matin, j'étais un peu comme une gueule de bois là. Ce matin, j'ai dit merci à la boulangère, t'imagines? Et puis elle m'a regardé et j'ai bien vu. Je la connais cette meuf. J'ai bien vu que j'avais pas à dire ça. J'ai bien vu. J'ai senti tout de suite que j'avais dit une connerie, tu vois. J'avais dit une connerie direct, elle me l'a fait comprendre. Je sais pas quoi faire, qui dit. J'étais un peu. J'ai eu honte. Parti. Oh putain, oui, c'est vrai que la map, j'avais oublié qu'elle était. Ouais. Ah ouais, non, mais ridicule. La map, c'est ridicule. J'ai dit merci à la boulangère. J'ai demandé c'est combien. Elle m'a dit 18 euros pour un pain. J'ai dit ah, c'est pas trop cher. C'est pas trop cher. Merci d'avoir baissé vos prix. C'est fort aimable. Scoot, quelqu'un m'est passé devant, j'ai dit excusez-moi. Il m'a tapé, bah évidemment. Bien putain. Trop lent. Oui, seigneur. Objectif nettoyé. Et maintenant. Le BO est bon là. Hein. Je sais pas ce que je fais moi. C'est bien. C'est bien Julien. C'est déjà bien. Je crois que quand j'entends BO, c'est plus la même signification depuis quelques mois. Pourquoi? Ah, c'est Black Orc. Warhammer Online. Ah oui. Vous devriez aimer aussi en tant que fan de Warhammer. Ah non. Putain, je passe de points. Alpha il comprend, toi non. Je sens de l'hérésie dans la façon dont Alpha parle de l'Imperium. Ah bon? Il faut être plus extrême que ça? Ouais, mais il apprend, laissez-le, il va venir. Ah, je suis désolé, je crois qu'il va avoir un plafond. Hein. J'avoue que j'ai pas trop d'effort, Alpha. Si vous perdez vos clés, vous m'appelez, je viens vous éclairer. Hein.
Il y a quoi comme arme qui fait un tout petit peu mal dans la garde parce que là. Un tout petit peu mal. 10 000 lasgun. Ah. 10 000 lasgun, dans le doute, 10 000 lasgun. Tu penses que t'as assez de lasgun, c'est que t'en as pas assez. Il y a déjà du monde là, c'est ouf. C'est une bonne manière d'aborder le truc. Oh là, oh là, attention, cher collègue. J'aime pas ça, moi. Je ne peux vous assister, hein. Non, t'inquiète, t'inquiète, hein, juste. Non, mais. Je me promène. T'inquiète, t'inquiète. Ah, il faut focus les scouts, focus les scouts. C'est avec eux qui va cap. Non, laisse-moi tranquille. Mais qui? Baisse les yeux. Ouais, par contre, il va tout casser, hein. Il va tout casser. Non. Pourquoi je casserai tout? Merde, putain. Mais casse-toi. Quoi, tu veux pas que je te suive jusqu'au bout du monde? Non. C'est pas ce que tu m'avais dit, maf. Suis-moi au bout du monde. Pas sur ce jeu. Ah, pardon. j'ai confondu. Ah, il y a des gens par contre en milieu. Là, il y a un peu de monde au milieu, ouais. Ouais. C'est étonnant pour une orbe comme ça. Oh putain, parfait. C'est vrai qu'elle s'y prête pas vraiment. Parfait, sans son. T'es meilleur. C'est bien comme la trad elle est aux fraises, des fois c'est pas le même doubleur pour le même personnage. Ouais, le commandeur il sait pas comment, il sait pas qui il est. Parfois il voit, il parle en anglais, tu sais, donc. Ses identités. Commencing attack. Pardon. Il me veut. Quoi? Il se donne un air stylé à parler anglais des fois, c'est bon, ok. Wow, il fait l'américain. À vos ordres. Cela ne prendra qu'un moment. Cela ne prendra qu'un moment. Allez, allez, allez. On cap, on cap. Cela ne prendra qu'un moment. On a the enemy in my sights. Ah. Cela ne prendra qu'un moment. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez discuter? C'est ici qu'on discute? Qu'est-ce qui se passe? Oh là. Tiens, oh, y a du monde dans ces boîtes jaunes. Bref. Vous avez le mid, je suis pas satisfait par ça. Non, pas les couilles que vous êtes pas satisfait. Eh, c'est maligne ça. C'est moi qui parle comme ça. C'est vrai ça. Ah, excusez-moi. Tu peux parler comme ça si tu joues sort de bataille. Oh, trop bien, bah je fais ça après. Alors. Ok, là il va me falloir ça. Un défi digne de mes talents. Meilleur voice line. Que vous faut-il? J'aime bien comme les scouts, ils sont trop énervés en mode on va les choper. Ouais. Ouais. Je vois plein de gardes à côté de chez moi, ça me fait peur. Non, on fait rien, on fait rien. Ils font la sécu, ils font la circulation. On ramasse les gobelets après la soirée, c'est tout. C'est déjà trop, là. Cela ne prendra salut qu'un moment. Non. Oh, il défend. Bien sûr. Il défend. Cela ne prendra qu'un moment. Que vous faut-il? Il se passe un truc là-bas. Ah oui, yeah. Très bien les grenades, très bien les lance-grenades, très bien, très bien. J'aime pas ça, moi. Mange. Ok, on est pas trop mal. Cela ne prendra qu'un. Faut pas que je m'emballe trop non plus. Pendant ce temps, le Necrontech. Je me fais push par des petits hommes bleus. Necrontech, c'est une dynastie. Necrontech. Oh, ça doit bien être une dynastie sur AOS, ça, chez les Osiars, ça me surprendrait pas. Ah, c'est pas impossible. Par contre, y'en a un qui va pas bien. Putain, le mid. Est-ce qu'il passe au mid? Règle le lion. Un mid, petit peu le bordel, hein. Mais non, mais non. Ah, le mid, c'est tellement nimp. Qu'est-ce que c'est? Mais quoi? Oui. Pardon. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je joue. Ah, c'est ça qui me joue, qu'il a dit. Et je t'ai dit. L'Imperial Fist là. T'as pas honte? Non. Voilà, c'est long. Oh, pas mal ça par contre. J'ai pas assez par contre. Ça putain, arrive, mais ça arrive. Pourquoi est-ce que tous ceux qui jouent Space Marine en noir?
C'est pour être dissimulé, bah. Et oui, d'accord, mais. Confonde. Oh la vache! C'est mon mec, ça, pourquoi il va là-bas? Oh, ah oui, je peux enfin le poser ce truc. Oula, 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 c'est. Charlie, c'est la merde? J'ai plus rien. Ah. Salut! On est un peu pris entre deux feux là, c'est. Ouais. Non? Pourquoi vous pensez ça? Oh. Bon. C'est pas passé loin. Temporiser, Charlie. Temporiser, ça arrive fort. Mais j'ai plus rien pour temporiser! Temporiser! Je veux pas le savoir. Temporiser, je vous dis! Ok. On va se le faire comme ça, ça va être cool. Ah, oh, c'est 150 d'upgrade ce truc, sans deck. Il a tout cassé! On s'en sort trop mal. T'étais obligé de tout casser, Maf. Mm-hmm. C'est vraiment très puéril de ta part. Oh, relou. J'aurais pas le péter ce machin, qu'est-ce qu'il y a? T'as cru que t'allais pouvoir faire ta tour ici là ou quoi? Charlie! Oui! Vous êtes prêts? Prêts! Donner votre vie pour le chapitre? Absolument! Très bien. Quel chapitre exactement? Quel chapitre, quiz? Les Black Templars, pas les Ultramarines, les Black Templars! Un chapitre? Oui! Tiens bien, hein, franchement, c'est pas mal. Bah, le chapitre qu'est-ce du bouquin, ils sont cons, vraiment, ils ont plus l'éducation. Qu'est-ce qu'il fait lui? J'essaye de bouger, toi! Putain de merde! Oh, vous allez vous faire plus vert. C'était quoi ça? C'était pour me motiver. C'est pour me motiver! Faire peur, c'était bizarre. Voilà. Charge! Oh, oh mon dieu, ça arrive! Oh putain! On va prendre tir nourri là, je recule. Oh, y'a du. Non, recule pas. Oh la grosse mêlée là! Oh la vache! Oh la vache! Oh y'a la toffe! Y'a la toffe quoi! Merde, j'ai plus de population! Vous tiendrez la position! Non, on est pas mal, on est pas mal. Unité qui a pris cher, mais sinon ça va. Ouais, sans sou, je l'ai géré. Ah, bon, on est bien hein, franchement. Ouais, merci. Lui il arrive, ça va être cool. Oh putain! Oh la vache! On tient! Yamete! C'est l'arrosage automatique! Charlie, je vous laisse tenir. Ouais, pas mal, hein, franchement, GG. Ouais, la carrosserie là. Ouais, ça va bien. C'est tellement ridicule. Alors, mais quand j'ai un problème, c'est que Sansou, avec ses tours, il tire dans ma base directement. Ouais, mais pareil, allez, ça va, c'est pareil. Hein. Voilà. Donc, GG à tous. Je peux rien faire. Massivement, j'ai un voisin envahissant aussi, t'inquiète. Non, mais c'est en fait, c'est vraiment. Ah oui, tour est automatique dans ma base. C'est pas mal. Non, mais moi, j'ai une erreur qui escarte la peinture chez moi aussi. Faut aller y penser. Bah penser oui, mais tu peux y penser ou pas, c'est automatique donc j'ai pas la reine, juste toi tu l'as. Un peu la merde. Bah j'y peux rien si t'as une technologie arriérée alors que t'es récent. Oh là là. Il est RP. Il est un écran ou c'est un elfe en fait ça. Bah c'est un peu c'est validé, il est RP. Hein. Bon on a gagné. Cher allié, il faudrait songer à une alliance. Voilà. Faudrait songer à une alliance pirate. Je propose qu'on s'allie contre le sale Xenos de merde. Et de l'autre côté de la map. Voilà. Problème réglé, ma tour à la portée, ça y est, je tire sur lui au tour moi aussi. Attends, what the fuck? Je reviens une seconde, les gars. Pas trop mal. Comment ça je me prends? Ce qui nous aiderait, ce serait ça. Je suis prêt. Ah mais effectivement, il y a des trucs qui tirent de loin quand même. Ouais, c'est un peu chiant. Les gens qui sont tir 3 déjà là? Non. Non. Sans sou, voilà. Elle aime pas, hein. Ouais. Alors, taper un peu là-bas.
Le Dread Ballistus, enfin je veux dire, feu d'enfer. On va voir. Bon, Maf, la peinture. Wow. La peinture. Bon, c'est relou. Ça va, Alpha? Pratique ce truc. Super. Là. Il y a JB Show qui est overextend. Je sais pas de quoi tu parles. Je crois qu'il a pas fait exprès. Oh là là. Je suis. J'essuie des tirs. Je crois que t'es occupé, Maf, je te laisse tranquille. Ok. Il y a du monde qui a le bonus sans su, je sais pas si t'as vu. Putain, mais pourquoi tes Space Marines sont en noir, JB? Pourquoi pas? Tu crois que t'as le monopole de la classe? Mais quel bordel, je sais pas qui gagne au mid! T'as pas besoin. Moi je sais que c'est pas moi en tout cas. Oh non! Oh, des nécrons! Allez dans la mêlée! Ils poussent comme des pâquerettes! Dans la mêlée! C'est beau. Ah, ça me plaît. Là, je suis heureux. Voilà. Allez, on va se prendre ça. On va lancer enfin ça. Et puis ça derrière. Vous êtes le jardinier? Il va falloir passer la débroussailleuse. Hein. Bah, je débroussaille là, c'est bien. C'est du travail de précision, monsieur. Alpha, je sais ce que je vais faire. Je vais produire une chose qui devrait te parler, te plaire. Ah, JB, j'aime beaucoup. Ouais. Avec son canon laser. J'ai rien avec un aussi. Hein. Quoi? Mais vous avez tout cassé? Non. Vous avez tout cassé, mon avant-poste? Disons que ça, le vis-à-vis, c'était pas terrible, donc tout cassé. Bon, ça va, on tient, hein, franchement. Oui. Il recommence à poser des défenses de l'autre côté, mais il m'énerve, je vais aller le chercher encore. Bon, sauf vous allez reculer. Regardez, il y a des Grey Knights. Enfin, ça me gêne de leur tirer de taper dessus, on les aime bien. J'aime bien. Oh. Pièce lourde prête à tirer. Ok. Ouais, ils s'en sortent bien maintenant. On va faire ça. Ça va être bien. Oh, ça oui. Aussi. Ça, c'est le moment. Allez, tenez les boys, ça va bien se passer. Pièce lourde prête à tirer. Ah merde. Ça va être long ça ou pas? Non, ça va. Tienne, ouais. Il en reste plein de dépeceurs chez toi. Oui. Je l'ai senti. J'arrive. Regarde les renforts qui sont en train d'arriver. J'aime. Oh. Maf. Ah putain, Maf. Quoi? Ça me plaît, j'aime ce que je vois, j'aime beaucoup ce que je vois, j'apprécie. C'est pas mal là. C'est pas mal. J'ai besoin de me déplacer. Il m'emmerde celui-là là. Allô? Oh là là. Allô? Oui? Non, tranquille. On se concentre, les potes, on se concentre. Entendu. Alors, il me faut ça. Ça, ah oui, oh, ce truc. Et du coup. Ça devrait passer bien. Oh, c'est cette chose nécron est complexe. On tire la ligne! Non, les canaris, vous retournez chez vous. C'est bien vrai ça. Complexe. Cher allié. C'est complexe. Mais on ne se laisse pas faire. Okay.
Putain, mais. Alors, la foi est éternelle. C'est ça les Terminators. Hein. Non. Comment ça, je peux pas faire plus de 3 basilisques? C'était un PV à l'époque, Alpha. Hein. Il est où mon chef? Vas-y, tape là-dedans. J'ai entendu face à cette racaille dans mes persos. Il a pété un. Ah, c'est les Grey Knights. Ah, c'est les Grey Knights. Ah, ils ont une voix incroyable, les Grey Knights. Oh putain. Ouais. Ouais, enfin, je remonte. Les trucs au fond chez toi, j'aime pas trop. Je vais remonter un peu de non. Non. Pas touche. Pas touché. Mais on va pas complètement l'abandonner. T'arrêtes de toucher mes marines alors, hein. J'ai pris un peu de tarif. C'est lesquels les tiens? Oh, ouais, moi aussi, mais c'est pas grave, on va se refaire. On va les laisser s'embrouiller entre eux. Ouais, ouais, carrément. Allez, je touche plus tes marines, t'inquiète. On fait un break, on fait un break. Les gardes terriens. Là, ouais, c'est pas mal ça. Ouh, ça s'était pêché, moi. Mais il y a une alliance là, c'est ça? Ouais. Je veux bien un coup de pouce si t'as un truc. Ah, par contre, continue d'envoyer des gars chez moi, ils vont se faire dégommer, hein, moi j'y peux rien. Hop. Paf. Ouais. Il a volé, c'est long. Ah, merci. C'est cool. Ça se promène un peu, c'est un peu relou. Alors, j'en suis où, moi? Oh putain, les cons. Putain, les cons, qui dit? Oh putain, qu'est-ce qu'ils sont, lents du cul, c'est débile. Merci c'est pour ton don à l'Empereur AlphaCast. Comment ça, ton don? Encore? Tu m'as envoyé plein de mecs dans la base. Ce les Terminators qui sont le parti creux. Masse. Attends, mais j'ai perdu ma squad de Terminator. Nya. Chez moi, oui. Ah putain, je les ai tous perdus. Oh, ouais. C'est loup du. Eh, c'est de la merde. Les Terminators, ça part en vide. Merde. Ouais, on va se refaire, ça va être bien. Tac. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est plus. C'est mieux tôt, hein. C'est mieux tôt. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Oh putain. Ah. Pièce lourde prête à tirer. Ouais. Il est où mon. Allez, gars. Ça va pas, non? Oh, ils ont survécu tous les deux, en fait, c'est incroyable! Après, faut que je fasse la réparation et tout, quoi. Oui, bah, je veux que ça me foute. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute, Kitty? Eh bien! Parce que c'est. Les mots sont violents. Ah, ce sont des unités perdues. Oui. Tu me fais comme Alpha, tu fais un don toi aussi. Non, je sacrifie de la pop. Okay. Ah d'accord, ouais. Ouais, moi aussi je sacrifiais de la pop avec les Terminators. Avec les Terminators. C'était des Terminators sacrificiels là. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Je te jure. Putain, j'aurais dû faire ça il y a 1000 ans. Je suis vraiment idiot. T'as bien upgrade tes avant-postes, Maf? Ouais. Tous. Tous, sans exception. Bah écoute, j'en vois pas. T'en as vu un qui ne te plaisait pas? Non, j'ai pas regardé, je vous fais confiance. Je vous fais confiance, qu'il lui dit. Enfin, je veux dire, non, il n'y a pas d'innocence que des deux faits de Kim. C'est Chanzy là ou là, il est RP. C'est Le Pen. C'est Le Pen. Les degrés, c'est du cul. Tiens à rappeler, n'est-ce pas, que Xeno signifie avant tout étranger. C'est bien, Marie. Faut cesser le grand remplacement de Space Marine, c'est pas? Space Marine Le Pen, hein, effectivement. Oh là là, on souffle, hein. Oh là là. Ah oui, trop bien. Et enfin, ça peut créer de la surprise. Ah, c'est rigolo, ça. Les Green Knights, quand ça, quand ça charge. Ouais, ils font. Ah, oui. C'est exactement ça. C'est exactement ça. T'as réussi à retranscrire exactement ce que j'avais en tête. Attends, on a rien entendu. On fait pas genre, tu les joues plus tes grilles. Ah oui, il faut 450. Wow, relou. Très bizarre, renier. On va patienter. Mais qu'est-ce qu'il faut? Vous restez là, j'ai dit. Oh, je suis désolé, mais voilà. Il y a plein de lampes torches à côté de chez moi. Hein. Pour une rave. Il est très éclairé. Oui, holy shit. Allez, ça dégage. Ta meuf, il a disparu de la carte. Là, j'avoue.
C'était tellement épique. Et ça continue en plus. Ah bah là c'est les vagues. Ah putain, je te jure. Y'a quoi là-bas? Il reste des gens à bord. Oh, Rider. Bonjour. Bon, on va falloir y aller. Hein. Arrêtez de faire semblant. Il est où? Pop Max, ok, tac. Ça t'a plu? Bon, je savais pas commander des. Comme ça, maximum de 1. Ah, mais c'est parce qu'il faut les drops, bah oui, évidemment. Ah, c'est chiant là. Hein. Oh non! Au secours! Ouf! Ouf, ça c'est pas gentil. Et est-ce que ça s'est terminé? Oh, j'ai beau l'éclairer, il meurt pas! J'ai beau l'éclairer! Bon, Emmanuel là, c'est chiant. C'est pas mal ça. C'est bien ce qui se passe là. Oh, il y a beaucoup. Là. Monsieur Templar. Oui. Monsieur Templar, si vous auriez un moment de considération pour notre condition de simple humain. Pour Hell's Reach. Putain. Voilà, on va faire une petite surprise là, ça va être bien. Hein? Mon Lehman Russ, il a implosé aussi vite? Bah, il y avait quand même pas mal de camions laser en face. Hein. Ah ouais, mais d'accord. C'est moi ici. Bon, on va manquer un peu de troupes. Oh, là. Des ultramarines qui fuient. Repli tactique, pas une fuite. Ouais. C'est que solide, cette mais merde, Terminator là. Non, je pousse. Allez et mourrez avec un. Allez-y et mourrez, je m'en fous. Il fait la toupie l'autre. Cela ne prendra qu'un moment. Ouais, c'était un peu en arrière, peut-être pas tout. Comment ça, limite de deux chars Predator? Ah oui, ouais. D'accord. De la merde, Melkor, à cause d'une Ballsy. Ça va pas forcément payer. Ok. Attends, je t'appuie. De toute façon, que je chatouille le Necron, il en a rien à foutre. Je lui fais. Il prend cher quand même, hein. Ouais. Ouais, carrément. Pas moyen d'améliorer les chats. On l'avait le bait. On l'avait le bait. Si t'as un truc, pour me faire un petit coup de main sans su, je dis pas non. Je peux t'en aller de ton côté. Il fait trop rire. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah! Y'a une stèle dans mon jardin! Nickel, merci. Y'a une stèle dans mon jardin. Je vais essayer de la retenir. Je suis bientôt défait par le Necron, Melkor, il y a ouais, trop ouais, chez je moi. Sais, je vois, j'essaie de réparer. Mais moi je propose alliance contre le Xenos. Oh, mais ça va aller où? Mais mon Ben Blade, il a un trop gros cul, il passe pas. J'arrive pas à le sortir du garage. Ça tape dur hein, les Necrons, moi je dis, on s'allie. Necron s'allie en ce moment, voilà, comme sur Tabletop, voilà. Non mais c'est complètement OP. Si ça passe, mais ça passe, bordel. Bon, ben je lui fais rien. Complètement pété. J. Non, j'en ai tué quelques-uns, mais y'a beaucoup. Il se TP en plus, il casse trop les couilles. Oh. Ah non, hein, le Dreadnought, non merci. Hein. Putain, je troll. Et du coup, si je troll, je vais faire baisser derrière. Les gars, c'est le ça. Dreadnought. C'est sa merde. Comme sur, table là, quand il se TP là. Non, mais c'est horrible, hein! Putain! Regardez-le là! Oh, ça va! Je viens te voir, je suis hyper fail! Qu'est-ce qu'il y a? Je reviens te voir si tu continues à me tirer dessus! Non, je te tire pas dessus, viens, on va tirer sur quelqu'un d'autre! Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais. Faut que je sorte un truc comme ça! Ah, j'ai pas les moyens! Oh, le Burn Blade! Oh la vache! Allez! Allez! À tes pouces!
On est débordé. Non mais comment il se heal autant le Nécron, c'est quoi ce bordel? Mais non mais c'est une horreur hein. J'ai il se fait réparer la moitié. Ah oui merci Sansu. C'est le meilleur. C'est une infection du cul son truc. C'est une infection du cul. Attends, j'ai un truc là-dedans. Tiens, tu vas voir. Tu vas voir ton monolithe, on va le fumer là. Allez, la scannon là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça tient, c'est allez, bon. Mais il comprend pas. Monolithe. Mais Ben Blade, il comprend pas ce que je lui dis. Ah, il a fait prout. C'était une illusion, je suis sûr. Non, c'est pas un truc comme ça. Non, non. Non, non. Ouah, wow, putain, tu vas le derrière quand même. Une illusion, c'est bah, pas non, non, mais ça coûte 1000 balles quand même. 1000 balles. Le monolithe. Hein. Oh, c'est beau, ce Ben Blade là, ce push Ben Blade. Attends, mais je rêve ou on est en train de gagner la game là? Non, tu as ah non, gagné, je sais pas. Si, vous gagnez. Vu la gueule de nos armées à nous. Ouf, ça devient chaud. Non, vu que notre alliance est fluff, nous on est théoriquement en train de se défendre. Ah, c'est vrai que l'Empire n'attaque jamais, oui, excuse-moi. C'est de la défense. C'est de la défense. Oh là non, j'ai failli cliquer sur archiviste. Excusez-moi, chat. Excusez-moi. Vous irez vous flageller après cet assaut. Ouais, enfin, non, mais j'avoue que le Land Raider okay, ça fait trop mal hein. Le Land Raider il a l'air dur à gérer ouais. Comme sur table. Moi j'aime bien hein. Non, non, comme sur table. Ça fait pas aussi mal sur table. Hein. Et bah GG ou ah ça fait bon quand même. Ouais GG ouais. Putain oui il est dur à gérer là. Putain mais j'ai un Grey Knight courageux qui est resté en vie à chaque fois. Il y a juste toute sa squad se fait wipe sauf lui. Oh la vache. Giga chat Green Knight. Putain, c'est quoi qui me bombarde Après le truc on peut en avoir que un mais... C'est ton basilisque qui me campe chez moi là. Il a 3 basilisques depuis le début de la game. Mais putain ça me tire à la maison quoi. On va sur top encore. Oh il m'a push. Oh il m'a push mon serviteur. Ah il y a des trucs là dedans par contre. Y'a Melkor qui me push. Alors c'est Terminator, je souhaite, on va voir mais... Il se casse. C'est bizarre ce TP Alpha Clash, je vais pas vous le cacher mais... Ah y'en a plus par contre. Faut le fumer le Land Raider là. Ah merde c'est comme ça que ça marche. Mais t'as rien. D'accord. Mais quoi? Oh putain, non! Mais attends, ils ont fait prout, je crois. C'est ce que je te disais, tu les as TP dans les gars, j'ai pas. Bah écoute, je voulais tester. D'accord. Le Land Raider va tomber, gars! Plus de Ben Blade. Ça fait chier. Plus de Bombardier. Ça va être complexe là. Ah, des Soul Green. Ouais, là pour push tout de suite, ça va être. Cela ne prendra qu'un moment. On était pas en rapport. Entendu. À vos ordres. Ah merde. Bordé. Coucou. Non, je veux pas l'avoir. Ils sont trop forts. En attente. Entendu. Ah, sans le Ben Blade, on sent la différence hein. Mais une petite diff hein. C'est moins évident là. Ouais, c'est moins clair. Incisive, n'est-ce pas? Attends, je proc, mais... Allez. On va essayer. Allez, Melkor. Ça, je vais garder son coude. Boom, le Land Raider. Ça dégage. Oh, yes. Oh, je l'ai vu. Oh, merci. Je suis déçu. Carrément. Allez. Oh la musique. Allez, le Ben Blade est de nouveau dehors. Oh non. Oh, let's go. Ça c'est bon. J'ai eu peur de mon propre TP de Terminator, je suis vraiment un abruti hein. J'ai vu la marque au sol, j'ai fait ah. Tac. Là, j'aurais tout entendu sur les streams de ce mec. Tac. Cela ne
Bon, ok. On revient un peu avec Malcorn, mais... Oh, de toute façon, j'ai plus rien. Il est parti où, mon... Mais c'est encore quoi, c'est le cul ? Oh, il m'énerve. Ah, le Marines nous emmerde au mid, là. Ouais. Non. J'ai une idée. Et c'est pas je vais essayer de me regrouper. De oh place. Waouh, gros problème de place. On va faire un petit push là. Un petit push. Hein. Un petit push. Hein. Un petit push. Hein. Push. Hein. Petit push à droite. Hein. Petit push. Hein. Non, non, non. Moi je dis un petit push à droite. Hein. Petit push. Un petit push. Non, hein, j'ai pas rien. On en finit avec l'autre là. Petit push. Hein. T'as les blindés de maf. Ah putain, tellement... ils avancent pas, ils y arrivent pas. Bouge-toi, bouge ton cul là, tu nous emmerdes. Voulez-vous... Mais putain, bouge là. Tu vas bouger ta caisse. Tu vas bouger ta caisse. T'as niqué la batterie. T'as niqué la batterie. Pourquoi il y a ton putain d'octane chez moi? C'est bon, je le vois, c'est sur table aussi. Putain, ça. Il a sorti l'octane. Barre-toi, non, enfin, je sais pas. On fait ce qu'on peut dans la game, hein. Il y a encore combien de personnes en vie? Mais tout le monde est encore en vie. Ouais, bah, oh, ça fait pas beaucoup d'infanterie tout ça. Qu'est-ce que tu fous avec ta Valkyrie au-dessus du monde là? Ah, j'ai voulu essayer un truc mais ça a pas marché. Bon, faut j'en prendre d'autres. Chez moi, là. Laisse-toi faire, Melkor. Ouais, non. Putain, les deux prédateurs prennent tellement la sauce. La difficulté de pousser l'assaut, c'est vraiment de réussir à faire passer tous les chars, quoi. Ouais, du coup, j'ai tué le Deceiver. Le Deceiver. Ouais, le Deceiver. Ouais, le Deceiver, vraiment. Décevant, il m'a déçu. Un peu décevant, quoi. Ah, tu sais qu'il l'appelle comme ça dans la communauté. L'Octane. Ouais, le Deceiver, parce qu'il est nul à chier. Ouais, tu m'as dit, il était pur. Ouais. Et c'est vraiment de très loin le pire Ktan. Ah, ce point, ouais, putain, fait une meute. Dans le. Ouais. Après, heureusement qu'Alpha sacrifie ses Terminators. Ouais, c'est le don de soi, on le connaît. Dirt. Tu vois ton Land Raider? Bah, t'aurais pu. Voilà. Du coup, là-dedans, oui, faut que j'aille le. Non, mais si le micro faisait son boulot, au moins, quoi. Putain, comment ça marche cette merde? Quel boulot? Moi j'ai plus une ressource là, je suis à poil. Ah, Melkor ? Ah, ça veut dire non, je crois. Oh là là ! Ah, c'est quand même pratique, hein, les avions qui conduisent sur place. Ouais. Ah, si seulement ça existait dans le jeu de plateau. Oui, c'est vrai que. Faudrait qu'ils inventent des règles spéciales pour les avions qui soient autre chose que de la merde. Non, en fait, la règle existe. Comme ça rage. La règle existe, hein, pour rendre les avions cool. C'est juste qu'aucun avion n'a le mot-clé pour que ça marche. Le mot-clé part certainement de merde chez les Space Marines, quoi. Mais ouais, mais maf, j'ai quand même choisi de prendre le pire avion. C'est fou, ça. J'assume. Let's go lui bousiller sa place forte, j'en ai un cul de s'appeler Fist. C'est moi le vrai fils de Dorm. Allez, ça dégage. Oh. C'est moi le vrai fils de Dorm. Tout ça pour être le fils préféré de papa, quoi. C'est moi le fils d'Orm, c'est moi le meilleur. Il a avoué sa jalousie, t'as gagné. À la chance. Non mais tout ça parce qu'il a été dérangé par un écran, quoi. Mais ouais. Oh, il est dérangé dans sa tête avant tout. Des bons marais. Enfin, une petite victoire. Pendant que le Nécron est en train de se refaire, elle va nous défoncer la gueule. Peut-être le souci des Nécrons, c'est que ses ressources s'épuisent avec le temps. Oh non, il a des invisibles. Oh non. Oh non. Oups. Oh non. Et avec la garde, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Bah là, faut buter JB Show qui est en train de m'assiéger là. Ah, c'est ça l'objectif là. Non, mais je veux dire pour les invisibles. Ça vous crame. Mais c'est où?
T'es dans les avant-postes. Imbalaboum. On est débordé. Non. Avec ton Baneblade, tu peux focus sur Land Raider? Non. Hé hey, reviens. Oh mais il a porté du Baneblade en plus. Ouh. Présent à bord. Ah ouais d'accord, ça me laisse pas faire. Mais je vois pas ce que tu parles. Franchement, moi je vois vraiment aucun problème. J'en vois vraiment des masses d'infanterie mourir. Il faut vraiment m'aider là, je vais me faire tuer. Il va me tuer s'il continue là. Franchement, est-ce que t'as des cadavres persistants? Parce que moi je regarde la map, c'est. Bon, c'est. Disons qu'on a fait un petit tapis de garde impériaux quoi. T'as les. Ah ouais, t'as les cadavres persistants? Non, moi il s'efface au bout d'un moment, je crois. Bordel de merde, je me suis défoncé mon truc. Il screen. Putain, chier. J'aurais dû focus ailleurs. Par contre, le Baneblade ça bouge tellement pas quoi. Oh, qu'est-ce que oui, c'est le gros fantôme là? Non. Et son Land Raider, il a 2 HP. Mais non, tu rêves, il a pas de HP. Oui. Oh mais bordel. Pas plus qu'il faut pour ça. Aïe 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 aïe. Laisse mon tank. Laisse mon char. Laisse mon char. Oh putain, il y a le Nightbringer, mais au secours. Ouais ouais, non, là c'est compliqué. Tu verras, moi, oh j'ai mis un petit screen. Il se soigne de ouf. J'ai mis un petit screen dans la conversation. Mais il est intuable ce truc. Et bim. Comment on tue un Nightbringer? J'ai plus rien. Et tu crois qu'on a quelque chose? Okay, faut qu'on tire là. Bah, il reste quand même quelque chose. Mais le Nightbringer il meurt un jour ou comment ça se passe? Non, il est invulnérable, ça sert à rien de le focus. Parce qu'il a une durée limitée. Ah, mais là il s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus. Abordable. Beaucoup plus abordable, exactement. Ça c'est bon quoi, au budget c'est bon, c'est pas une armée de mec. Non, laisse-moi! Tu m'emmerdes! Ah mais ça encore des trucs comme ça. Laisse-moi tranquille, j'y vais. Non. Lâche-moi ça. En attente. Entendu. C'est toi qui as des scouts, Alpha? Invisible. Ouais. Ça, j'ai oublié. Non, j'ai pas de scouts moi. Ah merde. Alors il y a un truc qui est en train de me tirer dessus au vide et je le vois pas. C'est sûr que c'est pas moi qui vais te tirer dessus, je sais qu'on est extrême chez les BT mais il y a des limites quand même. C'est ça, bah, c'était peut-être pour nous motiver un peu là, allez. Les bolteurs lourds. Ça ressemblerait bien ouais. Mais tu m'emmerdes JB, ça va suffire là, c'est fini le push là, c'est bon. Non. On a compris. Fais de gamin. Fais gamin qui me dit. C'est pas possible d'avoir cet acharnement là! Ah putain, y'a un ogreen dans ma base! Comment ça y'a un ogreen dans ta base? Ouais, y'a un meuf qui revient! Y'a pas qu'un! Bon, j'arrive moi! Ah, ils sont où tes Baneblade, meuf? Ah putain, ça aurait été beau si la famille était meilleure! Je peux en avoir que un! C'est comme le squigot! JB, tu veux bien tuer un de mes véhicules s'il te plaît? Parce que mon Baneblade suivant peut pas arriver, je suis en prod non. Max. Non. Oh green. Il parle comme ça vraiment? Ouais. Objectif nettoyé. Et maintenant, on est débordé. Oh non, non, non. Arrête JB. T'es un gamin. Oh c'est beau. Ça c'est magnifique. Putain, j'ai l'impression que c'est de nouveau les French Game Days là. On va demander s'en demander à quelque chose. La baston. Et putain, mais ça les tirs en orbito, c'est beau. Oh non, c'est beau. Non, mais JB, il a une résilience. Non, mais JB, il faut en finir. C'est pas un joueur, c'est un tardigrade. Oh, dur la comparaison. Mais je trouve que c'est. Bah, c'est un super héros le tardigrade. Hein. C'est ça, ça résiste à tout. Perso, je serais plutôt heureux qu'on me compare à un tardigrade. En tant que nécron, je trouve ça plutôt flatteur. Perso, je peux dire mon point de vue. Il
Ils font chier ces scouts au mid là quand même. Ce serait bien qu'on les détecte. C'est vrai que moi j'ai pas trouvé comment faire de cerveau-crâne. Hein. Vas-y, je te laisse faire. Hein. Mais il nous emmerde le Nécron là. Emmanuel Nécron, tu veux pas rentrer chez toi là? Retourne dormir. C'est l'heure de la sieste. Mais pas du tout. Mais il nous fait chier. 30e millénaire la sieste. Ah putain, il a volé un Lemon au 40e. Hein? Par contre, ouais, vraiment, il. Oh, ça y est, les scouts, on les a vus! Bah oui, j'ai ramené une sonde crâne enfin, ça fait une heure! Les scouts, quoi, qu'ils tiennent! Oh là, ils prennent cher! Voilà! La mort des stagiaires! Oh, j'y pète, hein! J'y pète de toute cette violence. Ça va, chat, sinon? Le focus dans la game depuis là, c'est, ouais, là, c'est vraiment le full focus. Ça va tenir, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors là, c'est pas possible, quoi, à un moment donné. Faut améliorer ces trucs, là, c'est pas possible. Et le trauma, on l'entend plus, mais... Non, le trauma, il dit plus rien, il se refait. Ah non, moi, je suis plus là. Je peux non. Pas. Ah, mais il faut 5. Une game? On peut de quoi vous parler. Allez, allez, on y va. Il a pas le scan QG? Ah oui, tu peux scout avec ton. T'as un spell de Terran, toi. Maf. T'es dans StarCraft. Ah oui, ça, et ça marche pour les. Ok, ça marche pour les trucs. Aussi. D'accord, d'accord. D'accord. Bordel. Non mais vraiment avancé. Vous m'avez appelé ? J'ai peur. Bah j'avoue que l'artillerie c'est quand même. Voilà, c'est chaud là. Ça va être bien hein. Ah mais ouais, l'artillerie c'est un ah, le bien crame, hein. Non mais l'artillerie c'est un enfer. Le tir indirect, bon j'avoue que. Non, on va dire c'est Nécron. C'est chiant quand t'es content et quand c'est avec toi c'est rigolo. Hein. Putain pas encore. Quoi ? Et j'avais encore fait un truc trop trop gros, le Benblade il passe pas. What the fuck? Dès que je fais trop de bâtiments dans la zone, le Benblade il passe plus! Bah oui! En vrai, le passant indigne des véhicules c'est tellement nul à chier que t'apprends vite à faire une autoroute dans ton mais bâtiment. T'as, de t'as vu la taille du Benblade? C'est une école primaire! Ah ouais, c'est une école primaire! Bon, vous finissez ou on relance? Parce que j'avoue que là on s'emmerde un peu là. Bon, faut push à un moment donné parce que voilà, je suis derrière ma base depuis tout à l'heure, il se passe rien. Ok, alors là, ça y est, il exige des trucs. Allez, on y va, on lance l'assaut là. On lance la sauce. Parfait. Oh putain, mais à chaque fois, le Nécron qui revient. Cher allié, je requiert votre assistance. Je suis là. Ah, mais fuis. Fuis, c'est l'autre emmerdeur avec son. De le tape pas, ça sert à rien de le taper. Ah oui. Il va buter tous mes bâtiments. Eh non mais non, t'inquiète. T'inquiète, ça va bien se passer. Oh la vache, les tirs du Benblade, c'est une dinguerie quoi. Non, mon basilisque. C'est à moi. T'as pas le droit. Une petite TP. TP dans le bac. Ah, je savais pas ça. Surcharge électrique massive de la structure visée. T'as des dégâts? Oh, en attendant, je prends les bah, le mec est mort. C'est vraiment horrible, Nightbringer. Une fois qu'il est là, tu peux juste rien faire à part subir. Ah, Déterminator, que vais-je faire pour les contrer? Je sais pas, au choix ça. Tu avant, merde, j'étais fait pour mais rien. Putain. C'est bon, on l'a eu. Il s'est téléporté. Hein. Alors, je été éliminé de des plombs. On est à la flotte. Oh le mid, oh le mid. Oh le Trobus, Trobus. Finissez-moi ça. Le Schtroumpf. Vengeance pour le Colex. Ils t'ont forcé à le lire, quoi. Ils m'ont forcé à le lire, c'est ça. Ça a fait mal. Je déteste lire. Je déteste lire. J'ai mal à mon crâne.
mais c'est ça, c'est pour faire des backups dans les autres. Attends, s'en fout, pourquoi t'as un seigneur qui fait une sieste de chez moi là? Parce que je suis mort. Mais il est mort, et pourquoi il y a toujours le point rouge alors? Il peut revenir, c'est parce qu'il peut rêver. Parce qu'il peut rêver. En fait, ils sont jamais vraiment morts. Quand il le refabrique, il va respawn là en fait. C'est ça. Mais du coup, en fait, Marc, t'as pas des cadavres de Nécron sur la map aussi? Mais ils disparaissent au bout d'un moment chez moi. Ah, parce qu'en fait, le truc c'est qu'avec les Nécrons, il peut les raise aussi, je crois. Ah! Enfin, après, les sans soul contre moi, mais. Non, je peux raise ce qui traîne au sol. C'est qui l'Ultramarine? Chroma. T'as tapé fort sur les véhicules, les Terminators d'assaut? Ça va. Je sais pas, en vrai c'est pas ouf hein, les Terminators. C'est pas ce que j'en sais. Je suis pas très fan, ouais. C'est super lent, ça tombe pas tant que ça. Mais en vrai, ils ont vachement up les Terminators dans le 2 et dans le 3. Ah, ouais, je me souvenais même plus comment ce qu'ils donnaient dans le 2 et le 3. C'est marrant parce que alors c'est très drôle, je vois des modèles de flashers d'épaisseurs debout. Oui, en pareil, mode, bonjour. Je crois qu'au bout d'un moment je... Il y a des dépenseurs morts debout en anti-pause. Bonjour à tous. Mais non, dans le 2 c'est... Bah, comme dans le 3 en fait, c'est des unités vraiment élites, tu dois les appeler avec des points de commandement que t'as gagné en détruisant. Ah oui, c'est ça. Et en vrai, ça dégage. Le bombardement sur la base de l'Ultramarine, c'est très Black Templar. C'est un move signature Black Templar, bombarder la base de l'Ultramarine. GG à tous. GG, c'est ça. Il reste défendu face à l'Imperium. Bah, je viens de mourir. Nous avons, ah oui, nous avons remporté une belle victoire pour l'Imperium. GG. GG les gars. Et tu verras dans la conversation Discord, Maf, si tu veux voir le nombre de cadavres. Putain, cette map c'est tellement con. C'est vraiment, c'est... Ouais, putain, bah, on est voisins de chez voisins, quoi. Ouais, c'est ça. Plus que ce que j'aurais pensé. Au final, bah ouais, moi aussi je pensais qu'elle se réglerait. Après, en même temps, c'est tellement le zbeul au mid, et vu qu'on est 3, tu sais, il y a toujours un, ouais. Y a toujours un camp qui revient dans la. En vrai, c'est marrant. Vous préférez quoi? Vous voulez refaire 2 équipes ou 3 ou... En fait, si ça te dérange pas, moi je vais peut-être vous laisser plus tôt ce soir. Je t'ai envoyé un petit MP tout à l'heure. Ah, ok. Mais, tu files maintenant? Ouais, si ça vous dérange pas. Si vraiment ça vous bloque au niveau du jeu, bah je serais de me démerder. Mais si c'est possible, je partirai plus tôt. Moi j'en fais une last. Ah, bah. Tu veux pas en faire une petite last, Roma, ou c'est compliqué? C'est un peu chaud. Un petit peu chaud, mais... Comment on pourrait faire sinon? Bah après, on part à deux, hein, sinon. Les premiers... Oh, mais sinon, si sans doute tu veux en faire une last, on fait un free for all, et puis... Moi j'ai fait que premier, j'ai fait le... Voilà, puis après qu'on sera 4, on fait des équipes. Ok, pas de soucis. T'inquiète, c'était une obligation. La garde impériale meurt, mais ne se rend pas. Après, d'ici une heure. C'est vraiment juste ça. Je suis caté. Okay. Ouais, bah, carrément. Ainsi que moi, ça va pour les 9 mois. KO Flo, merci pour les 5 mois. J'ai créé la game, le mot de passe c'est bisous. En minuscule. Tu peux pas regarder le même mot de passe à chaque fois là, plutôt que tout changer. Merci pour les 18 mois. Merci pour les 30 mois. Gwenark, merci pour les 7 mois. King Charlemagne, merci pour les 22 mois. T'as eu des petits moments de 1v2 peut-être, non? Je vois pas la game Alpha. Partie de Alpha. Ah, mais c'est parce que j'ai pas encore sélectionné la map, je crois. J'arrive. Non mais les viewers, non mais on sait comment ça se fait. La dernière fois on a joué contre les viewers. Je peux venir, j'ai que 6 000 heures, je peux venir, je suis nul en fait, je suis un gros noob. Je m'énerve. La dernière fois on a testé et en vrai, bon moi j'y ai cru l'espace de 3 minutes et puis on se fait raser quoi. Donc bon, c'est super de montrer votre talent mais nous on joue jamais au jeu en fait. Bisous en minuscule. C'est très Black Templar aussi, bisous en minuscule. Avec un... Enfin, pluriel ou... Bisous avec un S. Il y en a plusieurs. Avec un S. Avec un S. On est nombreux dans la croisade, il y a plein de bisous. Ah non, mais moi j'ai toujours dit, ce qui se passe à la croisade reste à la croisade. Du coup, vous voulez faire un petit FFA ou... En vrai, on est 5. C'est compliqué d'essayer. Ouais, on fait FFA, ouais. Allez, FFA, FFA des familles. Ça voilà, part, on fait un 3 contre 2 vu que vous avez gagné la dernière. Ouais. Lolidol. Moi, du moment que je suis avec Sansou dans l'équipe, ça va. Bah, arrêtez. Je sais pas, ouais, un petit effet fin. C'est ça, Lady.
Bon, les Black Templars sont occupés sur la croisade là. S'ils sont participeront pas à celle-là, là, ils sont en orbite. Et FFA vraiment là ? Ouais, oui. FFA vraiment. Ouais, FFA tranquille, hein. On va pas se faire des rushs de bourrin et tout. Allez, pour la peine. Ah bon ? Ah bon ? Il va sortir ses Eldar. Ouais, mais j'ai jamais joué Eldar donc. T'as jamais joué Eldar ? Non, jamais. Mais tu jouais quoi sur la 2 ? Sur la campagne de bataille là. Allez, vas-y, hein, je peux tester. De quoi, Morph ? Sur le 2, sur Dawn of War 2, attends, tu jouais quoi ? Space Marine et Orc. Ah, là, tu jouais pas Eldar ? Non. Eldar sur le 2, c'est vachement dur à jouer. J'allais te demander sur le 3, mais... J'ai rien invité, mais c'est pas grave. Ah, sur le 3, je jouais Space Marine et Orc. Non, Space Marine. Ouais, tu jouais les deux tiers des factions, quoi. Ça, c'était pas mal, ouais, j'avoue que... Ouais, qu'il y a pas... Enfin, moi, j'aimais bien le chaos sur Dawn 2, c'était marrant. Ouais, pareil. Le rush écarisseur là. KO player. C'était fort le rush écarisseur quand c'est ah, sorti. Mais, alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a une époque, il y avait un truc qui s'appelait les catachans et il se faisait un écarisseur au corps à corps. Hein ? Il y a un petit problème d'équilibrage. Ah mais non, mais moi je jouais quand c'était Chaos Rising, pas Rétribution. FFA free for all. Chacun quand pour c'est sorti pomme. Sur Chaos Rising, pas en multi, le rush écarisseur, les mecs c'est en mode uniquement bah, la guerre. Ah non, un mais, bout de métal, ah, oui, là je peux pas le tuer. Ah bon, si tu l'avais pas fait le rush, tu pouvais pas le frotter. Ah c'était super. Bon alors, comment ça marche ? Il y a un tel différentiel avec avoir des armes anti-infanterie et des armes anti-véhicules dans ce jeu, c'est une dingue. Oula, j'ai fait très toucher ma nante, pardon. J'ai pas fini de peindre le tabard là, ça lance. Attends, en train de peindre en même temps. Ah oh, ouais, le mec il est en mode. Non mais attends, j'ai été éliminé en premier. En full détente. Ah oui, t'as raison, t'as raison. Il joue au clavier souris, il lui putain, reste sa bouche. Il fait jouer sœur, il sort les taux, mais qu'est-ce que c'est que ça, Alpha, putain. Putain. Je vais être perdu et l'autre bâtard, il My prend trap. Son truc de merde. Bâtard. Excusez-moi. L'autre bâtard. Non mais je suis trop RP, excusez-moi. Dès que je vois rouge... Eh bah Blood Angels, pense Blood Angels. Pense Blood Angels, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Oh la violence, quoi. Oh putain, je te jure. Mais c'est quoi, cette map a l'air trop bizarre. T'as la musique qui hurle par moment et puis à d'autres moments elle baisse tellement fort qu'on n'entend plus rien. Ah oui bah ça. Au début il y avait personne qui pense, ça fait trop rire. Ça. L'écran 4 tiers là c'est terrible. Ou quoi, qu'est-ce qui est terrible ? Écran 4 tiers. Et 4 tiers. Vous l'avez en 4 tiers ou ? Je sais pas. Bah non, pas vraiment. Non, je sais pas pourquoi les gens disent ça. Je pense que c'est parce que l'interface en bas elle est étirée vu qu'elle a été pensée pour du 4 tiers. C'était pour ah, ça oui, qu'il y a ça. Oui. Ah ! En même temps ça me ferait mal de jouer sur l'écran 4 tiers. C'est pas en 4 tiers chez moi. Y'a des bandes noires sur le côté ? Quoi ? Mais y'a pas de bandes noires là ? De quoi vous parlez ? De quoi ils parlent ? Je sais pas, ils sont sur OBS. Dans le chat. Ils sont sur OBS ? Mais non, sur OBS j'ai pas de bandes noires. Ouais, c'est la voix de. C'est la voix de Joël dans The Last of Us, les stealths. Voilà, c'est marrant. Let's go. C'est marrant quand il pense, t'es en mode. Ah putain, c'est vous, c'est lui. Comment ça ce schéma JPP ? Et dis donc Summer, tu sais que t'es pas passé loin de me peindre mon armée Iron Hands comme ça ? Oh putain. Ouais, du coup, petite cousine, ça se joue ce truc là. Je suis censé faire quoi là, ça ? Oh, des Space Marines sont là ! Des celles du Wild Iron Hands. Par des troupes, on verra bien. Qu'est-ce qu'il dit ? Oh, des conneries. Oh, si c'est que ça. Putain, cet échange de balles en mousse. Mais vous êtes pas censé être fragile, les Zelda ? Mais genre ! Oui, seigneur. Oui, seigneur. Scout, prêt. Oui, seigneur. Portez le combat. Chargez. Scout, prêt. Ah putain, j'ai eu un bug de doublage. Oui, seigneur.
J'ai passé en anglais d'un coup entre, une, entre deux phrases. Oui, Seigneur. Routine de construction 7-1 lancée. Est-ce qu'on peut arriver à choper ça? Ça pourrait être cool. Scout prêt. Scout chargé. Oui, Seigneur. Scout prêt. Oh putain, vas-y. Oui, Seigneur. Scout prêt. Ok, nice. Oui, Seigneur. Melkor, tu joues plus les Eldar après. Ah mais Melkor il fait le malin parce que là, je l'ai croisé aussi. Par contre il fout la merde. Mais c'est terrible hein, Space Marine. En 1v1 contre les Eldar, il me fait plus. Enfin, je me fais broyer. Oui, Seigneur. Tu n'es qu'un humain. Je suis qu'un humain. Cuny human. Ok, c'est pas mal. Terrible. Oula. Sorcellerie. C'est normal d'avoir des bandes noires. Ah oui, oui. C'est les pubs Twitch qui passent le stream en 4 tiers. Mais what? Ah, pour intercaler le petit bandeau de pub en dessous. C'est super chelou. Je sais pas, mais c'est super chelou. Il me semble que, qu'il y a une histoire comme ça. Mais ça dure pas longtemps. Je sais pas, mais c'est super chelou. Ah, fais-moi le malin! Mais qu'est-ce qu'il dit lui? Mais qu'est-ce qu'il faut fait? Pas crafter de trucs sur. Bon le... les gars, on fait un speedrun sortir Melkor? Je suis chaud. Il est où? Vas-y. Non, mais non. Non la motivation instantanée. C'est ça, c'est. Routine de construction 7-2-1 lancée. Non, mais moi j'essaie d'être pacifique et y'a tout le monde qui vient me voir là. Non, ça c'est moi ça. C'est moi ça. C'est moi qui suis pacifique. C'est moi le truc. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, là, il faudrait un garçon. Mais c'est Cécé. Mais c'est moi tranquille. Oh, coucou. Pas lui. Cécé, coucou. Je peux y check ça peut-être? Ils vont arriver à 12 000. C'est à moi ça. Ok, qu'est-ce qui correspond à l'arsenal chez elle? Où est-ce ça? Ah, il en fait encore pousser des machins. Faut que je le hop. Je t'en le désordre le putain quoi. Putain mais les dépo... Mais quoi? Bonjour monsieur. Mais les déposseurs c'est terrible, il en pousse de partout. Vous n'avez pas payé votre taxe d'habitation, Snake. Il fait trop rire. Elle faudrait qu'elle bouge là-bas. Fuyez le fils que vous retrouvera. C'est vraiment terrible les déposseurs au début. Hein. Ah, ça je peux pas parce qu'il faut que je... Hop. Ok. Comprendre, c'est quoi ça? Ah c'est bien ça. On en prend deux. S'il vous plaît. Oh non le slow, oh no, dommage. Ah en plus c'est vénère quoi. Ouais c'est pas mal, c'est pas mal. Mm-hmm. Bon, en fait là ça se passe putain mal. Qu'elle fout de putain. Non mais les petits chiens ils font chier. Hein. Ils sont bien intuables, hein, pas comme sur le board. Hein. Oh, c'est pas mal ça. Oui, Seigneur. Comme vous voudrez. Augmenter ça. Oh non! Oh c'est cher! C'est cher sa mère! Ouh ouh ouh! Et... Ah pitié laissez-moi! Bon d'accord.
Non, 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 vas-y, il bluffe, il est trop fort, JB, il va te détruire. Il va te dépecer, il s'appelle les dépeceurs, tu crois que c'est pour faire quoi? Il va te dépecer, il va te prendre. Mais ça fait chier, c'était mon copain la game d'avant, j'ai pas envie de lui taper dessus. Il va te déchirer, il va te sortir les entrailles, les faire sécher sur son balcon, les rouler et les fumer. Les faire sécher sur son balcon. Putain, malade. Ah oui, effectivement, ça sort du sol derrière nous. Ah, tu vois, c'est pas naturel. Ah non, mais t'avais raison. Ah, te laisse pas faire, JB. Ah, l'autre non plus, d'ailleurs. Hein. Tu peux le fumer aussi. Ça va être chaud, à mon avis. Ah, c'est pas mal, ça aussi. Ah, moi, tout ce que je veux, c'est qu'on laisse mon vaisseau en paix, hein, c'est tout. Il y a plein de cousines là-bas. Ah non. Fume-les. Oh putain la vache, ça cette arrache petite ce truc qui sort du sol là. Précédente. Qui? Non mais comment? Les cousines, vous devez savoir que nous sommes très ouvertes. Oui, je veux pas savoir les saloperies que vous pratiquez. Ne m'intéresse pas. Bon, encore une fois, on a pas de problème, du moment vous m'avez battu sur la moquette. Et je crois qu'avec vos pratiques, c'est pas clair. Non, mais... Bah bon, que comme okay. Lorsque tout le monde est consentant, mec. Ah, JB. Ah putain. Coucou JB. Ok, donc on a JB. Attends, mais il est où sans sous? Nulle part, laissez-moi tranquille. Il est planqué dans le sol. Ça va, faut que je produise plus, là, c'est un délire. Ah oui, et là du coup je vais avoir ce problème. C'est-à-dire. Putain, mais je sais même pas comment on augmente la taille des. Ah, c'est là, ok. Oui, Seigneur. Ok, donc ça faut qu'on les up. Putain, mais ça fait des escouades gigantesques les sortes de bataille, c'est ouf. Ouais, y'a du monde. Y'a un peu de monde. Y a du c'est, peu. C'est plus que 10? Bah, j'ai l'impression. Bah, je vais te dire, mais. Surtout le nombre d'équipements spéciaux qu'elles ont, c'est ouf. Plus que. Ouais, déjà, putain, c'est ouf. Ouais, carrément, déjà rien qu'au niveau des armes spéciales, elles peuvent en prendre plus que les escouades de Marines. Ah ouais. Ouais, c'est à 5 au lieu de 4. Je comprends pas où est Sansou. Il est pas en bas à droite. Mais pourquoi tu me cherches? Je me demande où t'es en fait. Mais non, mais il y a des mauvaises intentions derrière ça. Mais pas du tout, cher allié, vous vous souvenez pas qu'on est allié? Cher allié, ça fait bien longtemps que j'ai l'impression que ça a disparu. Mais c'est faux. Moi je trouve que votre doute envers ma loyauté est inconcevable. Moi je suis outré par vos propos. Et loutré. Je suis outré. Que ça reste ici au cas où. Qui a le centre là? Ça, c'est des rétributeurs? Ah non, pas du tout. D'accord. Quoi ces questions aussi là? Non, mais. Non, mais je vois que vous en faites pas grand chose. Mais si! Non. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh putain, c'est cool ça! Non, ça me gêne. Non, réellement, ça me gêne. Bon, je fais ça, moi. Ah non. Ok. Attendez, monsieur Necron, je suis en train de parlementer avec un taux. Oui, nous sommes en discussion diplomatique. Bah, parlez. Oh, rien, c'est le classe. Faites le G, je sais pas quoi. Et... Ah, c'est ça que je cherchais. Non, mais d'accord, moi je pense que de toute façon on peut pas être d'accord sur tout. Quoi? Au secours, JB fait une alliance là-dessus. Ah non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Venez tous au mid, il y a Alpha qui vous invite. Mais c'est bien tous au mid, il y a Alpha qui vous invite. Je m'en vais, puisque c'est ça, je m'en vais. C'est son goûter d'anniversaire, venez. Ah oui, ça peut être pas mal ça. Non, mais il faut les laisser les petits jeunes là. Alliance. Ah oui, je suis un pote max, c'est vrai, putain. Alliance quoi, qui? Alliance avec les petits... Alliance quoi, avec qui? Il y a de la recherche d'alliance désespérée. Marché d'un pas souple,
Moi je trouve que l'Imperium parle beaucoup. C'est vrai ça. Ça ah non, non, une on, est, allié, ça. On est silencieux comme C'est quoi ce rangé cette faction, c'est une galère. Moi j'aime bien ça chat. Vous en pensez quoi de ce move de skill? Oh, ça génial. Oui, seigneur. Routine de construction 7 de Send us toward the enemy. Merde, mais putain du coup je les vois pas. Putain, fais chier. Ouais, il y a du monde. De sens où il a pas le temps. Il y a pas le temps. Il y a aucun c'est fini. Oh, faut que j'aille me coucher. Comment ça? Comment ça, mon ref? Ah, c'est. Ah ouais, non mais d'accord. Ça a l'air de pas mal passer, ça. C'est cool. T'es cool? Les coups de tronçonneuse, ça me fait trop rire. T'es cool? Alcool? L'alcool, c'est cool! Putain. Ah bah tiens, on va envoyer ça là-bas. Oh là là. Oh, c'est quoi ça? Ah oui, mais ça qu'il me faut! Imperium en détresse! 36-15, Imperium en détresse! Le numéro vert! Non mais Alliance sinon. Alliance sinon. Comment ça, ça va là? La data slate, c'était pas. Je sais même pas comment je peux voir la visible avec cette faction quoi. Ouais, je vois ça. Ça, je suis assez d'accord. Ouais, mais je fais bouillir. Est-ce que je peux refaire de ça? C'était ça a l'air marrant. Un truc comme ça aussi, ça pourrait être cool. Bah il y a Alpha qui fait le malin, sinon JB. Hein, ouais. Ouais, je vais aller le voir. Vas-y, viens, 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 chat. Enfin, je veux dire, vous voulez parlementer avec nous, faire des discussions? Bon. Oui, seigneur. Comme vous voudrez. Eh bien, messieurs, qui arrive ici. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Ah, comment ça? Ah non, il se fait out. Non, tu te fais out déjà? Non, il s'en souvient bah, chez moi là. Disons que. Ouais, bah ça va pas trop tarder non plus. J'arrive. J'arrive. Comment ça, t'arrives, mon ref? Cher allié, j'arrive. Quel allié? Vous verrez. Vous verrez, vous aurez la surprise. Oui, c'est un peu par le fond. En rip, hein. Mais en vrai, ça va. Non, mais ça tombe bien, j'avais des figurines à peindre. J'avais des figurines à peindre. Cher allié, j'arrive. C'est... Attends, il est où? Mais je ne suis plus là. Mais comment ça, il est plus là? Mais je suis mort. Enfin, il me reste deux bâtiments là. Charlie, j'arrive! Ah oh oui! Diplomatie, envoyez tout Alpha. Ah, y'a pas, non? Ah, il tabasse un peu les croûtes là. C'est pas mal cette unité là. Merde, c'est pas celle-là. Oh putain, je suis encore un peu max, non mais sans déconner. Oh no. C'est quoi que j'ai fait? Putain, mais elle sortait d'où? Merde, j'ai oublié là-bas, lui. C'est bon, j'ai pris la leçon, je push quand je peux. La game d'avant, je me suis fait baiser à cause de ça. J'ai vu que ça tombe sur toi. Je suis là. Non. Oh, il y en débarque de partout. Quoi? Mais qui est mort? Mais cher allié, je suis en train de vous protéger, pourquoi vous me... J'avais mis des mines. Mais cher allié, enfin. C'est pas mal. Tu viens de perdre deux Devil Fish sur mes mines. Mes chers alliés, mon ref, mais enfin. Je suis désolé, c'est des mines pas très... Elles sont pas très sélectives. Guardian drone. J'ai vu ton Devil Fish passer, prout prout prout. Terminé. Aïe aïe, ils étaient pas prévus. On va essayer de se regrouper par là-bas. Mais ça va pas à l'autre lit. Putain, il est en train de me défoncer chez moi, j'avais pas vu. Non. Le bâtard. T'es pas vrai? Pourquoi tu dis ça? Je t'envoie la poule! T'as gagné, je t'envoie la poule! On voit la poule? C'est quoi la poule? Une grosse poule. Ouais, que j'en sors plus. Bon, cher allié, vous vous remettez ou c'est compliqué?
C'est-à-dire que c'est compliqué. Écoutez, Charrier, vous savez quoi, merde. Charrier, vous savez quoi, merde. C'est pas grave. Moi j'ai tenté, vous faites aucun effort. J'ai trouvé une autre activité. Ah oui, j'ai compris, cher allié, je n'interférerai pas. Ouais, ça c'est pas mal. Allez. Par contre, ouais, c'est pas ouf. Tu vas prendre la poule, toi. Ça va être bien, ça. Allez, mange. On dira, elles sont en chemin, let's go. Ah, ça... Mais les avions, quand même. Ok, ça repouche. Ah merde, putain, il y a le laser de merde, là. Ah non, ça joue Farsight, mais ça fait des éthérés. C'est pas des éthérés. C'est les stagiaires. Les stagiaires. C'est pour faire croire. C'est une ruse. J'avoue que la ruse elle avait bien fonctionné, j'y ai cru. Il va falloir des renforts là. Oh, je suis éliminé. Hey, ah merde, ça t'élimine. Oh non, il y a tout le monde qui est parti. Ah voilà. Ouais, maintenant je vais faire le commentary. Je vais faire le commentary. Alors, voyons un petit peu ce qui se passe. Ah, c'est ça la poule. Ah oui, le grand Knarlock. Alpha qui avance son grand Knarlock. Ça, c'est mes poules quand j'ai oublié de leur ouvrir le poulailler le matin et qu'il est midi et demi. Ça, je reconnais ça. Un peu énervé, quoi. Alors, Alpha, il a quoi? On a un Croutox ici. Qu'est-ce qu'il est en train d'arriver? Garde du corps, commandeur Tau. Je connais pas du tout les Tau sur le jeu. Petite broadside ici avec pas mal de guerriers de feu. Ah, il y a du monde, hein. Il y a du monde chez Alpha qui est en train d'avancer. Les sœurs de bataille de JB. Comment est-ce qu'il est notre bon JB? JB avec ses sœurs de bataille qui est ici. Ouais, petite base coquette. Pas dans la démesure. Hein. Bon, Alpha, ça va. Lui, il est bien. Il a une belle petite armée. Hein. Il y a du monde. Alors par contre, je crois que Sansu, j'ai bien l'impression que Sansu va être l'homme difficile à abattre dans cette game. Parce que là, il est très 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 énervé. Regardez ça, il a des unités partout. Il a des unités partout. Il y a ces trucs-là, là, les destroyers lourds, qui sont terriblement difficiles à sortir. Il a pris tout mon territoire, donc là, il est en train de se mettre très très bien, Sansu. Regardez-moi ça, il est en train de faire renaître l'Empire Nécron de ses cendres. Pendant que JB croit en ses rêves. Ça prod, hein. Ça prod chez JB. Il fait ce qu'il peut. C'est vrai qu'il a très peu JB. Là, on va avoir un clash Alpha Sansu qui va être brutal. Hein. Je sens que ça va aller vite. Je sens que ça va aller très très vite. La petite broadside ici derrière avec double... Qu'est-ce qu'elle a? Double... Mais c'est un double canon rail sur les épaules. Ça existe ça comme option? Le petit Croutox avec les croûtes qui viennent en renfort. Oh, le petit Devilfish furtif. C'est peut-être pas des Devilfish. Si. Avec une technologie furtive, peut-être un drone. Incroyable. C'est le vieux modèle de Broadside qui avait deux canons rails comme ça. Allez, en tout cas, l'affrontement, c'est pour bientôt. Là, Sansu qui est en train de s'étendre un petit peu, qui est en train de préparer les choses. Prépare l'assaut, Alpha qui rassemble ses troupes également au centre. Il va y avoir un très très gros assaut au centre. Pour le moment, c'est Alpha qui tient l'objectif au centre. Donc c'est lui qui a l'information de ce qui se passe là-bas. Il a aussi cet objectif. Celui-là, il a vraiment une grosse partie de la map, Alpha. Alors que Sansu... Ah, Sansu a quand même un peu moins qu'Alpha. Alpha a probablement une capacité de prod qui est supérieure à celle de Sansu. Donc à voir, parce que là, j'ai l'impression que l'affrontement pourrait être en défaveur d'Alpha. Mais par contre, sa capacité de prod va être supérieure. Ça sort du Skyray. Ça produit en tout cas beaucoup. Et JB, qu'est-ce qu'il prépare? Immolator, deux Immolators. Et des escouades de sorts de bataille. Sont bien mignonnes, hein. Sont bien jolies, hein. Chouette escouade. Il y a quoi là? Bolter lourd. 4 bolter lourds. Encore du bolter lourd. On a une passion bolter lourd apparemment chez JB. Beaucoup de bolter lourd. Un exorciste qui vient de sortir. Le petit lance-missile. La partie va les écraser.
Oh, ça va chez JB. Oh, avec les unités furtives terribles. Je sais pas si JB a de quoi faire. Et là, le lance-missile Skyray qui tire de très 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 loin. Oh, ça va vite. Oh là, ça va partir très vite. Ça va partir très très vite. Est-ce que Sansou va en profiter? Pour le monolithe. Sansou, il bouge pas pour l'instant. Sansou, il prod. Il est en train de se focaliser sur le fait de profiter de ce territoire qu'il vient de me piquer pour pouvoir augmenter sa capacité de production. Non, ça y est, JB qui envoie la sauce, qui essaye de se défendre. Les immolators qui font tout ce qu'ils peuvent pour se battre contre les nombreuses unités tau. Oh, ça tabasse. Oh, l'exorciste qui fait ce qu'il peut, mais... Ouah ! Explosé. C'était un exorciste. On s'en saoule, il y a une faille là, il y a une faille ! Il faut y aller ! L'Empire des Nécrons renaîtra ! Il faut y aller ! Le Seigneur des Crons qui est prêt à se transformer en Nightbringer à tout moment. Et rappeler à la galaxie pourquoi il fallait trembler face à la puissance des anciens dieux. Oh, regardez! Terrible! Terrible vision d'un membre des cousines défunt, souillant la neige. Ah, il y en a encore, il y en a d'autres. Bon, là, Alpha, ça y est, c'est fini. Là, c'est fini, ça pousse très fort. Ça pousse très, 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 très fort. Putain, ça a l'air vachement agréable à jouer tôt sur le jeu. Les véhicules ont l'air de bien bouger. En plus, ils sont pas trop gros, ils bougent bien. Comparé à la garde impériale qui a des véhicules qui se traînent le cul comme c'est pas permis. Tout missile tiré. Chasseur Lightning. Oh, ça bombarde fort là. Oh, les Skyray. Avec les Devilfish. Ça envoie la turbo sauce. Oh, ça y est. Oh, ça y est, Sansou qui pousse. Sansou qui pousse vers Alpha. Ça y est, Alpha à l'information. L'avant-poste qui est attaqué. Il sait que Sansou est en train d'arriver là-bas. Est-ce qu'il va back? Est-ce qu'il va back? Il l'a pas encore vu. Il l'a pas encore vu pour le moment. Oh, si Sansou lui détruit ça et qu'il continue, il sera dans la base d'Alpha alors qu'Alpha sera de l'autre côté en train de terminer JB. Et Alpha qui sera à portée de la base de Sansou. Oh, ça y est, voilà, Alpha l'a vu. Alpha l'a vu, ça y est. Alpha est proche de la base de Sansou, mais est-ce qu'il sait où est la base de Sansou? Ça, c'est une autre question, il le voit peut-être pas. Oh, Sansou qui arrive directement dans la base d'Alpha. Oh là là, il va s'attaquer à sa capacité de prod directement. Alpha qui sait pas où est la base de Sansou, qui ne sait pas du tout où c'est et qui n'est pas du tout en train de se diriger vers la base de Sansou, qui est plutôt en train d'essayer de ramener ses troupes vers sa propre base pour la défendre. Oh, il y a déjà des premiers bâtiments qui tombent, c'est terrible. Sansou qui va porter une agression terrible sur Alpha alors que son armée est particulièrement puissante, redoutable. Et les autres troupes Nécron qui sont en train de foncer, hein, s'enfoncer vers la brèche. Oh, ça va chauffer. Oh, il va y avoir des tatanes. Oh, il va y avoir du redressement fiscal. Alpha qui est en train de faire tout ce qu'il peut pour arriver le plus vite possible. Malheureusement, ses troupes vont arriver au compte-gouttes. Ça va être problématique. En plus, il va tomber sur la colonne de renfort de Sansou qui est en train d'arriver. Ce qui va lui coûter du temps, malheureusement. Et qui permettra à Sansou de continuer à bourrer. Ah, on a une unité de stealth ici, apparemment, qui est en train de se faire plaisir. Et pendant ce temps-là, Sansou qui push très très fort sur la base d'Alpha. Détruit la base de véhicules ici. Oh là 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 là, il est en train de lui faire tellement mal. Alors que les arrières de Sansou commencent à être fortement sous pression par l'armée d'Alpha qui est en train de lui arriver dessus. Oh, le monolithe là qui est en train de prendre giga tarif, qui s'est fait complètement encercler par les unités tôt. Ça va être très compliqué pour lui de survivre. Oh, ça revient là, ça revient, ça push. Oh, les projectiles. Oh, les projectiles. Oh là 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 là. Oh, il prend la sauce, la turbo sauce. Mais ça tient, hein. Oh, ça tient cette saloperie, hein. Alors comment ça se passe du côté de Sansou? Est-ce qu'il continue à pousser ou est-ce qu'il recule un petit peu? Non, il continue à pousser visiblement, il continue à essayer d'aller gratter les ressources d'Alpha. La base d'Alpha, la base principale est toujours intouchée. Mais Sansou pour le moment a lui sa propre base qui est complètement intouchée, qui est... Alors que cette poule sauvage, cette poule d'eau sauvage a retrouvé la liberté visiblement. Oh, les dépeceurs qui viennent de popper sur les troupes d'Alpha et qui commencent à découper du guerrier Nécron.
Oh, le monolithe qui risque bien de tenir alors que les troupes de Sansou ont fait demi-tour. Sansou pour le moment qui est très très bien parce que sa base n'a pas encore été grattée, elle n'a pas encore été attaquée. Pour l'instant c'est un gros affrontement sur le territoire d'Alpha qui lui coûte cher. Et ce qui permet aux Nécrons de prendre plus de territoire et de continuer à pousser. Ici les affrontements qui sont clairement en train de partir avantage Nécron. Et ça tire et ça tire, ça pousse. Les Nécrons qui se défendent autant qu'ils peuvent, mais les dépeceurs sont en train de faire très très mal aux guerriers de feu et sont difficiles à tenir. C'est quoi ça? Garde du corps. Oh les... C'est terrible, hein, les dépeceurs, c'est vraiment la violence. Hein. Du destroyer lourd. Ah oh, oui, l'affrontement a clairement été... assez avantage Nécron, mais il reste quand même des unités tôt. Hein, il reste quand même pas mal de choses. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est que côté tôt, ça a perdu pas mal de bâtiments. C'est un peu ça le truc. Alors que côté Nécron, il n'y a pas eu de perte de bâtiments. Ça y est, il l'a vu. Ça y est, il a été repéré. La base, l'information est désormais là. Ah, est-ce qu'un grand Gnarlok, ça peut faire mal? Parce que là, on a deux spectres qui sont en train d'essayer de... Ouais, non, c'est pas pour tout de suite, quoi. C'est pas pour tout de suite. Alors ici, on a du Destroyer. Ouais, il reste encore du guerrier de feu un peu partout. Il y a encore du guerrier Nécron vraiment partout. Les chiens croûtes qui font un peu de flanking. Le Skyray qui se place un petit peu à l'extérieur pour pouvoir allumer les troupes un peu plus loin. Ça a une bonne portée cette saleté. Hein. Oh la vache. Ah oui, le Destroyer rigole pas. Ah, Alpha, il lui reste quand même encore beaucoup de choses là, alors qu'Alpha est en train d'arriver. Ah, Alpha est en train de prendre le dessus. Il reste plus tellement d'unités à 100 sous. J'ai l'impression qu'il est pas en train de... Oh, le Gnarlok! Le Gnarlok qui est en train de casser la base. Ah non, les taux qui sont en train de prendre le dessus petit à petit. Il y avait probablement trop de ressources d'avance chez les taux. Ils ont pu reprendre un petit peu du poil de la bête. Alpha qui reprend le dessus sur Sansou. Hein ? Voilà, il reste encore des destroyers. Il y a beaucoup de guerriers Nécrons qui ont été vaincus. Ah oui, les taux, clairement, il y a encore des croûtes un petit peu partout, des stealths. Ah non, il a pris le dessus. Alpha a pris le dessus, il a retourné cette game. Voilà, ça attaque fort. Sansou, il a plus grand chose, il est en train de... Oh, le Gnarlok, quel enfer! Il a pas de truc. Ah bah ça y est, j'entends en vocal que ça... Ça va abandonner du côté sans sous dans la victoire au tour. Pas mal équilibré entre vous deux. GG. GG. Ah, il y a eu un bel affrontement au milieu là, c'était joli. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'était ultra spread. Franchement, hein, ouais. L'affrontement au mid, c'était compliqué parce que là, était là j'avais vraiment le late game Nécron, je pense. Je pouvais pas faire mieux en termes de compo. En dehors de ça, je pouvais pas upgrade plus. Quand t'es arrivé chez Alpha, j'ai vraiment cru que t'étais en train de gagner. La game s'est ouais, retournée, aussi, j'ai ouais. pas trop compris pourquoi. Moi aussi. Moi j'ai fait plein Fufu, de bâtiments pour Fufu le... et trop de distance. Mais ouais. Fufu, ils ont pas fait beaucoup de dégâts. J'avais que deux squads de stealth. Hein. Il y en a une qui a pas DPS. Ah, ouais, mais t'avais pas le truc qui rendait fufu les Skyrays et ces bordels? Ah non, c'est juste qu'ils sont trop loin, fish. Je les vois pas. C'était des devil fish? Non, j'avais que un devil fish qui traînait peut-être, mais sinon c'était des stealths. Hein.
Ok. Parce que je. En merci Crassfiredoom pour l'année. Tellement loin. Mais Divi Fortesque, merci pour les 29 je mois. Pas merci, les merci El Omega pour les 11 mois. En fait, j'ai l'impression que c'est du fufu. J'avais une broadside, mais je sais pas. C'est pas ça qui t'a fait du DPS, hein. Mais je pense le genre c'est impossible à la fin en fait, je suis trop lent et le kite est trop sur les grandes trop maps facile. C'est dur. Sur les grandes il est maps, trop c'est facile dur. Le kite contre Necron. Bon en fait c'est le truc c'est que là tu vois moi j'avais déjà commencé à construire des bâtiments de prod ailleurs et en vrai c'est vrai que t'es tellement lent que moi je peux reprod prod assez vite. Mais par contre c'est vrai que les destroyers c'est galère à gérer hein. C'est tanky et Bah GG mon cher Sansou. Ouais GG, bad game. GG. Petit 2v2 là. Allez. Allez. Allez, bonne fin de soirée. Ciao. Des bisous Sansou. Salut Sansou. Salut Sansou. Vous voudrez passer. Ah bah merde, il est parti. Je vais proposer de C pour le 1v1 de Trauma et Eventis. C'est quand c'est ce week-end ça bataille. Ouais, samedi. Ah là là. Samedi. Là, il va y avoir. C'est intéressant, ouais. Le rêve de Trauma, ça. Grosse wag orc contre ses custodes. C'est clair. Est-ce que je prends une map 4 joueurs ou une map plus grande sur laquelle il y a... Comme tu veux. Pareil, bon. Moi, j'ai envie de te dire moyen pour te faire chier. Moyen. Donc 6 joueurs. Non, en vrai, mais une map à 4. Une map à 4, c'est bien. Map à 4. Allez. JB, tu veux continuer à jouer les sœurs? Non, je vais switch, je pense. Parce que j'étais trop perdu et en fait, je passais mon temps dans les menus, c'était moi, pas hyper fun. Random pour celle-là. Bah, justement, JB, si tu veux continuer à jouer les sœurs, moi je prends un truc que je connais pas non plus, je serais bien chaud pour essayer les taux une fois. Moi, je vas-y, alors dans ce cas-là, ouais, je retente. Comme je ça, ce sera balance, tout le monde a un peu un truc. Ouais, mais random, moi, si tu tombes sur les taux. Non mais pardon. Si on tombe sur les taux, on recommence la game. J'ai pas, mais y a peu de chances que je tombe sur les taux quand même. Le mot de passe c'est la 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 en minuscule. Mais putain, faut être combien de fois? 3 fois. La la la. La la la. Mais putain. La colo de vacances Black Templar. Ok, ouais, je peux essayer. Après, est-ce que j'ai envie de refaire une game de sœur ou est-ce que je tente un truc complètement différent? Parce que Garde Impale, ça a l'air marrant aussi. Hein. Je vais me tester aussi. Donc on joue ensemble JB. Ouais, carrément. Ok. Par pitié qu'il tombe sur Eldar Noir, y'a moyen. Je sais pas du tout. Moyen. C'est dur Eldar Noir. Ah ouais? Bah je connais pas et puis. Pff, ça, c'est pas une faction que je kiffe. Hein. Sur Dawn of War. Ça, je retente les sœurs. Mais ils sont moins ou ils sont nuls sur Dawn of War? Je sais pas du tout. Je sais pas. Je sais pas, en fait leur réaction ça peut être l'un ou l'autre quoi. Ouais. Je vais leur essayer les sœurs quand même. Mais je trouve qu'ils sont, en fait, esthétiquement parlant, je trouve qu'ils sont complètement à côté des Drukhari, tu vois. C'est les anciens, c'est l'ancienne ouais. Gamme en fait. Un peu plus dégueu, tu sais, ils font plus dégueu plus que juste slick et. Oui. Et tu vois, dangereux. Ils font vraiment dégueu, moi c'est ça que j'aime pas. Je trouve qu'ils ont limite un côté trop chaos. Quand tu vois esthétiquement. Ouais, je préfère la nouvelle esthétique. Hein. Ah, de ouf, pareil, c'est mon stylé. Maf, il veut jouer tout seul. Ah oui. Ah, Dalit. Bien sûr. Je sais plus du tout. Enfin, je crois que j'ai essayé une fois ou deux les taux, mais je sais pas comment ça se joue. Bah, tu fais des croûtes et des guerriers de feu. Les Devilfish, c'est très bien, tu peux en sortir très vite, mais il te faut de l'énergie. Et ça, ça fait des bons dégâts et c'est fufu. Les stealths, je te conseille de les mettre en mode ne pas attaquer pour que tu puisses scout la map tout le temps. Avec. Ah ouais. Moi je les mets en mode non, je les mets en mode pacifique moi. Comme ça elles se baladent et elles voient ce qui se passe sans se faire repérer. Mmh. Et sinon tu as les broadside très très forts pour sniper à distance du véhicule, mais pas forcément incroyable en anti-infanterie. Ouais. Puis après t'as Kaoyon ou Montka. Montka ça te donnera accès au Crisis. Carrion, ça te permettra d'upgrade ton infanterie et de jouer les croûtes. Pas les autres croûtes. Mais bon, les deux sont bien. Hein. Carrion, c'est plus facile à jouer parce que t'as pas à micro les. Ah, je suis sort de bataille. Ah oui! Allez, c'est parti, bah, tu vas me donner les infos. Comme ça, on va partager un petit peu le savoir. Ah, je suis sort de bataille. Ouais. Comment ça se marche? Alors, tu m'expliques, hein, dès que tu comprends un truc, tu partages, Alpha. Alors, permet d'accomplir les puissants actes de foi. Construisez des unités ferventes pour générer de la foi. Je suis là. Alors qu'est-ce que c'est que cette map? Je suis réveillé. Je suis réveillé. Oh la vache. Ok. Ok, je vois le délire qu'on va avoir là. L'humble missionnaire.
On va essayer de chercher ça. Ah, c'est les missionnaires qui sont anti-fufu. Ouais, tout à fait. Alors ça, je peux le comprendre. J'ai mis 3 heures à le comprendre. D'accord. Le cerf, la sororité. Oh, c'est presque comme Black Templar, les Sisters. C'est presque pareil. Le début, ouais, le début ressemble en termes de gameplay pas mal à Space Marine, mais c'est après que t'es perdu, quoi. Il va faire que des épées. J'ai mis 3 heures en plus sur la map d'avant à trouver c'était quoi leur truc pour extraire l'énergie quand t'as une ressource stratégique là, il est trop bizarre le bâtiment. Vous voulez ça ? La cible est à nous. Bon, essayons de pas faire un départ dégueulasse cette fois-ci. En sanctuaire immaculé, c'est l'arsenal. Ah, attends, je te confirme ça. Faut pas que tu... Mais je crois que ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'aime trop quand elle bug et qu'elle parle pas la bonne langue. La cible est à nous. Des croûtes. Ok, ça c'est cool. Des grosses croûtes. On est à 3. Ah, non. Non. Il va où lui? Ah oui, il se casse. Ah non, il va, là, va plus là plutôt en fait. T'as peur? Non, j'ai pas peur. Oh, la voix des croûtes. Bah... Ok. J'avoue, ils ont des voix un peu chelous. Ouais. Ah, j'ai trop de ressources, comment ça se fait? Ah, c'est quand même des cannibales, ils ont pas une fonction comme ça où ils peuvent bouffer les cadavres sur le champ de bataille? Ah, je vois le problème. Dans le jeu de plateau, s'ils butent une unité au corps à corps, ils gagnent une Feel No Pain à 5. Ah. Ou 6, je sais plus. Son charme. Hein. Putain, je vois rien avec mon pattern de couleur sur cette map. Je vois pas, je me confonds avec le sommet. Ah, du coup, putain, on est full RP. Full sœur, putain, attends, c'est génial. Ah oui, full sœur de bataille, j'avoue. Pistolet Inferno. Lodafone. Démarrer les ennemis, c'est naze. Munition bénie. Oh, c'est bien ça. Ignore le couvert. Putain, j'ai ignore cover. Oh, c'est perdu, mais le corps. T'es perdu. C'est perdu. On a perdu leur vie. Non, mais au moins on a essayé, quoi. Allez, Séraphine, c'est stylé. Ouais, du coup, te fais pas avoir, contrairement aux Marines, les fuseurs, tu peux les avoir que sur les Célestes. Hein. Fuseurs et trucs comme ça, toutes les autres unités, si tu veux. Même en améliorant la base, pas de fuseur. C'est le moment. Ok, on est pas trop dégueulasse en vrai là. Y'a pas une tourelle de défense chez les taux ? Je crois pas. Bim. Non, il m'a capté le truc. Ah, je peux pas le prendre ça ? Oui, il faut la cathédrale. Et puis leur tech tree, il est trop bizarre. Alpha, on peut pas construire de tourelle de défense avec les taux ? Non. Hein ? Non, faut savoir jouer. Savoir jouer ! Non, non, t'as pas de tourelle de défense. Et tourelle de défense, c'est toi. Il y a une forme de violence, je trouve, là. Bon, allons-y. Si c'est free, c'est free. Ok. Tous périssent sauf les fidèles, c'est vrai ça. Elle a raison. C'est chaud ça. On va voir l'upgrade là ou pas encore. Ok, bon, enfin je monte ça. C'est quoi cette voice line? Vous? Non! Moi? Oui! Ok, meuf. Il faudrait ça aussi. Bon, commandeur, j'imagine que c'est bien. Pensez à faire vos bannières de foi dans vos avant-postes. Sinon, on n'aura pas de foi. Ah, d'accord. Il faut construire encore plus de trucs, du coup, la vache. Une bannière de foi ? C'est cause de l'île. Ouais, sur les avant-postes, tu peux faire des bannières de foi. Ah, putain, oui, tout à fait. Par contre, la foi, ça sert à quoi ?
Moi je le fais. Je prends le chat. J'affronte le chat. Oh c'est quoi ça? Il est peut-être dans la merde mais je les ai cru. Non mais c'est de la merde les Séraphines en fait. Non, moi, ça, c'est de la merde. Savoir, hein, je me casse. Ok. Allez moi c'est Xenos. Ah oui d'accord. Tempête et tout quoi. On en est là. Mais je me fais push là. Alors qu'est-ce qui se passe? Non on se fait démonter mais c'est pas grave. Oh sinon on va jouer ça c'est pas grave. Oh merde putain je me fais ouvrir par contre. Et où la chef? R. On est toujours à taper sur elle. Position des mains. Oh c'est pas mal ça. C'est ça. Ah ce heal. Oh putain elles ont un heal. Apparemment. Tu l'as vu sur quelle unité ça? Mais elle est sort de bataille. Ah ouais c'est ouf. Oh oui le duel au sommet. Oh là là, je comprends rien à ce qui se passe, oh, bon. Je me suis fait retourner. Casse-toi, arrête de la finir, on s'en fout. Replie-toi. Ça fait zéro dégâts les Séraphines en fait. Alors... Oh putain la Shannoness ça rigole zéro au corps à corps. Ouais ouais elle est assez balèze ouais. Oh. Ah oui elle l'a défoncé le commandeur Tau. J'ai passé la même de mon côté avec le commandeur Eldar et après je me suis fait rect. Et c'est les yeah. C'est oui je vois la foi. Putain effectivement il y avait tout un pan du jeu que j'étais pas en train de faire ouais. Putain bah merci le chat hein. Merci le chat. Non mais calme-toi là calme-toi. J'aime bien ton côté Black Templar à charger comme une débile mais calme-toi. Ça coûte combien ça? Sorcellerie hérédité mutation. Ta gueule ça comme t'as rien. Alors par contre on pourrait peut-être voilà, upgrade ça, non ça je peux pas. Ah t'étais juste à côté, j'aurais dû te le dire, j'avais pas vu. Je suis poutré par l'Eldar juste à ta gauche et j'avais pas fait gaffe que t'étais à côté. Ah, j'ai pas regardé la map, désolé. C'est pas grave, t'inquiète, mais même moi j'ai pas regardé la map, je t'ai pas vu. Et du coup les Séraphines... Ah mais en fait elle tape pas trop mal au corps à corps. Visage angélique, un style chez les unités amis proches, la puissance sacrée de la Séraphine. Une unité touchée sont immunisées contre la démoralisation. Cause davantage de dégâts. Oh c'est strong de fou ça. Alors l'attacher... Corps, tu veux pas venir là? Ah oui attends, j'aurais pas vu. Moi j'en prends toujours hein. Ce qu'il faudrait c'est ça, mais c'est pas tout de suite. Oh quoique. Non c'est pas tout de suite. Oui, bon, il va me falloir faire des trucs comme ça là, parce que ça va pas y arriver sinon. Oh, du monde là. Ouah, mais. Maf, mais en a la baston au milieu, hein, je passe ta vue. Oh là là. Ça, c'était bien dans mes souvenirs, mais ça coûte trop cher dans ce domaine-là. Oh, ça aussi, ça coûte ultra cher. Pour faire des troupes. Oh ça crame bien. On est d'accord ça crame bien. C'est quoi ce pathfinding de... Allez on les poursuit. Oh la vache mais les lance-flammes... Faut que tu les... Ah bah c'est les sorts de bataille hein. Ouais contre auto c'est efficace, enfin j'ai fait trop d'infanterie sans doute. Bim bam boum. Ah voilà. Parfait, c'est ça mais que je veux. Bordel, mais... Skyray, c'est mais... fort contre infanterie. Bien ça. Putain, je me suis fait fumer. Je me suis fait déchirer. Ah. J'ai fait prout. J'ai fait rien. Ils sont retournés, ils ont fait, mais attends, on peut gagner ce fight. Je me suis fait péter la gueule. J'avais l'impression de me faire astro-poutrer. Tu peux essayer de régler le char. Ouais, c'est ce que j'essaye. Ça pose un problème le char. Franchement, sympa. Ah ouais, putain, les guerriers de feu et tout. Par contre, ça pique. Hein. Ah ouais, ça pique très fort.
Et on va reculer un peu là. On va y soutien avec ça aussi. On va reculer les filles, on va reculer. Et il y a du... Oh, il y a une question de niveau... Ouais, ça c'est bien. Comme l'Imperium, il faut upgrader le niveau de la base parce que je vois pas ça. Je vous dis pas. Moi je suis défoncé. oui, c'est dans un... C'est pareil que l'Imperium pour ça. Oh, c'est stylé ça. Acte de foi, bah voilà, c'est ça qu'il me faut. Ok, trop bien. Bon, ça se passe bien. C'est quoi un reliquaire béni? Oignon. Je sais pas. Putain, elle est tellement blaze là. Ah, j'avoue, il y a tellement de trucs, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est ouf, c'est vraiment la galère. Ok, je peux pas avoir ça, donc on upgrade ça. Pas baiser, donc faut que je prenne ça. Ok, on a tenu. On a tenu. On va pouvoir ramener les problèmes. C'est cool. Non, mais calme. Est-ce que je prends là? Oui, du coup, je peux prendre ça ici. Oui. Allez, défoncez-moi cette merde. Il y a des unités, j'ai l'impression qu'elles n'existent plus. Oh, c'est tellement tanky, c'est ouf. Oh, recule, 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 recule. Oula. Au revoir. Oula, il y a un Skyra qui est parti. Ouais, j'ai vu. Il a esquivé. Oh la vache. Ouais, j'ai reculé direct. Ah oh, putain, j'ai pas le temps de... J'ai vraiment pas le temps de faire les trucs que j'aimerais faire, c'est horrible. Ok, ça, ça se passe. Ça up, c'est cool. Oh, j'avoue que j'ai pas réfléchi, j'ai regardé Eldar, j'ai pas regardé les techs, j'ai cliqué sur tout. Je dis pas non. On a un deuxième de ce truc là, c'est vachement bien. Il va falloir plus d'unités là. Putain, les dégâts de zinzin. Ah oui, ça fait. Ça rigole pas trop tôt. Hein. Et là, c'est bon. Je vais prendre ça aussi, mais je suis un peu plus max. C'est quoi ça? Ah oui, c'est bien ça. Ah, et ça, j'ai pas essayé les sorts répentiers. Et full corps à corps répentiers. Ouais, je m'en doutais, hein, comme sur le jeu de plateau, mais je me demande si ça déboîte dans le jeu vidéo. En fait, elles ont plein de spells, c'est pour ça que j'y comprends rien. Ouais, j'avoue que c'est chaud. Hein. C'est ouf. Ok, on va ups de ce côté. Ouais, c'est un peu galère à prendre. Hein. Un peu, ouais. On peut sortir un... Oh oui, c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais, mais du coup ça d'abord. Arrête! Mais pourquoi? Attends, pourquoi je t'ai vu là? Je te voyais pas. Oh, ça il me le faut, vous me l'aviez dit. Putain, il tire tellement loin. 50 de ressources. Oh la galère. C'est les broadside. Non, c'était le Skyray. Alors, il faut qu'elle aille devant. Ah, on peut pas réparer les véhicules avec les drones? Les broadside, c'est pas des véhicules. Ah! Ok. Okay. Il faut qu'elle soit derrière. Oh, comme c'est trop cher, c'est abusé. Ah oui, ça c'était pas mal dans mes souvenirs. C'est quoi la citadelle ecclésiastique? Ah, c'est ça. Ecclésiastique. Ecclésiastique? Pas schizastique, mais j'y vais. Ecclésiastique? C'est un petit style les cités Eldar. Hein. Voilà, mais j'aime bien moi. Un petit répentia, c'est cool. Ah, c'est ça, la capacité. Ah, c'est trop con comme capacité, ça me fume. Ok. Bon, ouais, c'est pas trop nul. Parce que pour avancer la baston. Allez! On les démonte! On avance, on avance, on avance, on s'arrête pas. Allez, allez, allez. Et le cuche? Et maintenant c'est la bataille! Ça aurait été incroyable que tu me préviennes. Pardon. Mais vu qu'ils nous entendent, tu vois. je me suis dit je lance et après je te dis.
Ouh putain, il faut que je me regroupe sur mon flanc là. Ça se passe pas comme j'aimerais que ça se passe. C'est chiant. Ouais, il me faut ça, il me faut ça en masse. Où on en est là? Là, je fais un Willy. Ouh, putain, ça tabasse, ça explose. C'est quoi ça? Vas-y, c'est bien ça. Ah, me fume. Ok, ça, je sais pas ce que c'est, mon va en envoyer. Ouais, ça, ça m'a l'air bien, ça. Ok, je vais reculer avec ça parce que c'est pas bon. Les répentiers, on va se mettre là. Les... Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas, lui? Mais putain, il est trop con. Et... Ouh, je me fais push. Heureusement, il y a du monde à la maison. Oh putain, non. Oh non. Je peux faire un missionnaire. Merde. Je peux pas faire ce missionnaire, fuck. Et ça, c'est pas mal, on va les faire remonter. Ouais, les répentiers, ça a l'air. Des villes fiches cool. De base, ils sont invisibles. Oui. Ça j'aimerais bien l'avoir, je peux pas l'avoir. Ah oui, il y a ça. Ah non, mais faut que je construise ce truc aussi. Merde. Toujours pas le faire ça. Pas de 150, sans dé. C'est quoi Imagifère? Nice. Imagifère. Ah, je me rappelle plus. Super, merci mec. Ah oui, c'est un truc qui. Mais c'est une unité de soutien sur le plateau. C'est une unité de soutien sur le plateau, du coup, je sais pas trop quoi ça peut servir là. Unité de soutien, ah oui, d'accord. Ça va être compliqué pour moi. Ok, cool, on a tenu. Ah, j'ai plus grand chose. Moi j'ai perdu pas mal aussi. Mais... Ah merde. C'est le monde de la contre-attaque! Encore? Ah bah oui, ça aura jamais. Hein. Pas déjà une contre-attaque, ça, chef? Non, c'est... ça c'était la première vague. Ah. Oh merde, mon avion il se fait démonte. Allez, on la rentre dedans là! T'as des cerveaux, t'as des missionnaires pour éclairer, pour révéler? Ah, non. Ok. C'est chiant, j'en avais un, tout de suite. Et ça tabasse, y'a de l'idée. Ouais, allez. On remballe. J'ai compris, on remballe. Il est fou là. Il est fou incoming là. Il en faudrait deux. On peut faire ce truc enfin ou pas là? Ah merci. C'est quoi ça? Démantèlement, d'accord. Ah oui, j'avais encore du monde en fait, ça va. On va juste se refaire vite. Coucou. Coucou. Oh, un sacré push là. Et ça c'est cool. Ouh, putain, la tornade d'éclair là, ça a fait mal. Pas marrant ça. Ouais, mais bon, faut qu'on couvre le flanc. On va rester là. C'est chaud, mais ça va le faire. Elle tabasse, c'est bien. Non, c'est les servantes de l'empereur Dieu, elles ont dit. Merde. C'est bien ça. Prenez la ligne! Ah, elles sont où? Je les vois pas. Elles sont dans le tas, c'est bien. Battez-vous! Vas-y, mets le corps. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Hein. Vas-y. Avance, faut qu'on avance. Putain, j'ai pas assez d'unités. En fait, faut produire tout le temps avec ces. Les sœurs. C'est un délire. Vomir des unités, on continue quoi. Ok, on va essayer de faire tout ça. Oh, y'a Alpha qui arrive fort au milieu. Ouais. Dans la gauche, je galère. Hein. Donc, si tu veux tenter un truc, Alpha, c'est le moment. Moi, je push là. Oh, trop bien, parfait. Je suis en train de le pourrir avec mon artillerie d'exorciste. Trop bien. Aouh. Allez, on va démonter ces conneries là. Voilà!
Oui, il y a plus de véhicules. Les bombardements d'exorcistes, hein. Ouais, carrément, ça fait plaisir. Hein. Ah, toi aussi, t'en as. Putain. C'est d'une violence. Exactement. On bombarde pas, on fait de la musique, c'est des orgues. C'est des orgues. Oh putain, oui, j'avoue. Pour les répentir, ça coûte de ça, c'est dommage. Et ça, je peux faire quoi avec? Ouh, comment je peux faire ça? Relique capturée. Comment je capture une relique? Ah oui, bah oui, je suis con. Relique capturée, évidemment, je sais comment je capture une relique. Non, non. C'est très bien. Ah, ça fait mal, hein. En fait, faudrait que j'arrête de faire que ça et que je fasse plutôt comme ça. Putain, mais le temps de les monter, les escouades, ça va être galère. Hein. Le Willy. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Willy. S'il faut qu'il recule. Démonte-moi cette merde là. T'as la bataille de partout. Ça marche mieux les tanks. On est bien d'accord. Ah, je produis pas assez, mais c'est des ergues en fait, les sorts de bataille. Ouais, c'est vrai, carrément, vous avez raison. Blablabam. Voilà, voilà. Ça, ça crame bien là. C'est full cramage, full artillerie. Oh, le gameplay de teuteux de qu'on a depuis tout à l'heure. C'est comme ça qu'on purifie la terre. Oh là là là, vraiment le giga gameplay teuteux. Non. N'a rien, qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, l'immolateur il est allé dedans. Quel con. Et on bouge. Drone d'annonciateur. Oh putain, ça joue le Harbinger drone. Et ça fait quoi ça, ils attaquent. Ça fait spawn des. Ça te fait perdre toute ton énergie. Ah, ah putain, c'est ça qui me fait perdre toute mon énergie tout à l'heure. Ouais, ça te fait perdre beaucoup d'énergie. Alors, de ça. Ok. Plus de fuseurs, s'il vous plaît. Il y a tellement de ressources, non mais allô. Waouh. Willy, Michael, j'allais faire un Willy. Mais on a un problème, il va falloir qu'elle descende. Putain, il faut spam Skyray Castro. Non, j'en ai deux. Ah ouais, donc lui, on est bien. Ouais, ouais. Ils alternent, c'est tout. Je la ressors régulièrement. Hein. Indiquez-nous nos cibles. Ordre reçu. Ouais, non, sans raison, concentre-toi là-dessus. Non, mais ça suffit là. Ça sera jamais fini. Désolé, normalement pas je devrais les bâtiments avoir... pour les. Je devrais mettre créer des couverts avec tous ces bombardements d'exorcistes que je fais depuis le début de la game. Mais il a sorti des véhicules vers moi, Alpha. Je sais pas si t'as vu. Quoi? Il y a des véhicules vers moi là, des seigneurs fantômes. Ouais. Bah, je sais pas si t'as de l'anti-véhicule ou pas. Force. Force à toi, mec. Force à toi. Mais putain. C'est des célestes, les anti-véhicules. Ouais, j'en ai mais pas assez. Ah oui, c'est ça, ouais, c'est les célestes, ouais. Sorry, j'avais pas compris ce que... Ouais, ça va être compliqué, ma fin. Ouais, j'ai des grenades anti-chat avec un peu aussi, là. C'est la game de l'enterrement, quoi. Tout le monde est dans sa base en mode « Ah, bouge pas !» Je peux pas construire ce truc, là. Putain, fichier, j'ai pas la place. Ah, mais c'est tout nul, en fait. Ouais, y'a de l'idée, mais... Il y a une nerf, là, ça vaut plus rien. Ouais, sors-moi des... Oh! Le Willy! C'est ça que je veux. C'est parti pour le Willy! Yaaaaaah! Oh, ce spell est trop con! Oh merde! Oh mes sœurs! Non! Ah! Ah putain, le bombardement, il fait si mal. Putain, elles ont excellé au combat, elles ont dit. Elles ont raison! Ça fait un petit push là ou pas? Non, pas trop bien là. Ah sûr, Marc. Mais ah ça y est. Comment ça, on n'a pas de relique? Il y a qu'une relique, elle est au mid. Ouais, exactement. J'ai un peu envie de crever. Let's go. C'est chaud ou pas? Ouais, je suis chaud. Vas-y. Je vais arriver en pop max. Arrêtez de bombarder nos propres troupes, dans la politique. Non, c'est pas ça que je vais faire. C'est. Voilà, bah ça va, Melkor. Oh. Ouais.
T'arrives pas à te refaire un petit coup là, vite fait? Bon, j'essaye, hein. Oh, le Crotox. Mais les Crotox, c'est tellement débile comme c'est tanky comparé au jeu de plateau, ça me fume. C'est vrai que c'est solide, hein. Ah putain, du coup, il va falloir que j'amène ces trucs là. Courez les boys, courez. Oh non! Ah! Ah! On a un peu esquivé. Non! Encore! Espèce de gamin! C'est bon, c'est esquivé. Vas-y, c'est bon. Recule, recule! Putain, il me fait faire des moves. Ah, la machine de pénitence! Oh, stylé. Oui! Oh, comme ça court vite! Ouais, ça va super vite, oui. Ah, ouais, les machines de pénitence, ils ont hâte de mourir. Hein. Genre, moi, je veux mourir! Ah, ça y est, là, ça y est, je vais mourir. Ouais, pareil, là, moi, je. Moi, les Zelda en fait ça bouffe tellement de ressources et je suis pas du tout fait pour les jouer. Bim bim bim. Pas du tout. Pétez-moi ces merdes. C'est fort les Repentia. Ouais, ça déboîte au cac. Hein. Franchement, j'ai testé, c'est ouf. C'est les anciens skins de Repentia là. Putain. Non mais ça manque de garde fantôme, je sais pas jouer Zelda. Allez bombardez-moi ça. C'est quoi ça? Ferveur juste? On a tellement encore trop de ressources, c'est un enfer. Voilà, ça y est, il est dans ma base. Là, on peut en faire encore. Ah, avec la meuf avec ses fouets là. Ça fait mal la machine de pénitence. Ça tabasse, ouais. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs qui tabassent fort au cac. Ouais, clairement, ouais. Putain mais j'arrive même pas à me rendre compte si elles font des dégâts. Ma machine qui pas... court là en mode oui. Non mais la machine de pénitence qui a one shot, enfin qui a 1v1 mon seigneur fantôme. Ah oui c'est à ce point là d'accord les mecs c'est pas du tout bon équilibrage que sur le plateau. Ouais la machine de pénitence, seigneur fantôme c'est censé être fragile non? Bah non hein. C'est pas, c'est pas puissant mais fragile. Avec les canons et les fuseurs elle s'est pas tombée tout de suite. Ça c'est résistant. Putain, mais comme ça court la machine de pénitence c'est trop. Ah putain là ça y est c'est fini. Allez, tout le monde chez Maf. C'est sa tournée, il a dit. Putain. J'avoue que les exorcistes en full spam dans le fond de map, là... Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est chiant, là, ça fout une sacrée pression. Bah après, les Skyrim, c'est un peu pareil. Ouais, ça prend un peu genre, CS, ouais. Mais c'est vrai que la vache, t'as qu'une envie, c'est de perdre pour voir les masses. Voilà, l'armée des sœurs, c'est ça que je rêvais. Je rêvais de ça, une fois, merci. Et Maf, c'est... Nombre de sœurs. 10 PV endurance. Voir punir du Xenos. Seigneur fantôme. Ah, endurance 11 quand même. Ouais, ça a une belle endurance, un seigneur fantôme. Ah oui, les sœurs. Mais beau. Effectivement, le Skyray, il est hyper fort contre les sœurs de bataille, par contre. Si je les avais moins perdus, que j'en avais fait un peu plus, j'aurais pu vous faire tellement mal. Putain, ouais, c'est GG. Magnifique. GG. Ouais, les 6 stars. En fait, je comprenais rien aux spells, par contre. Genre, les spells, je crois que j'ai réussi à faire aucun personnage. Moi, j'en ai vu aucun arriver en vie. Ah, la machine de repentance, c'est T4, et le seigneur fantôme, c'est T2. C'est normal que ça se défonce. Putain, c'est ouf, parce que quand tu regardes sur le jeu de plateau, la machine de repentance, c'est Penitent Engine, c'est ça? C'est en du 6, sauvegarde à 4, 5 PV. Alors que un seigneur fantôme, c'est genre du 11, c'est ça, c'est genre 10 fois en plus tanky. En du 11, 10 PV. Ouais, l'équilibrage du jeu, elle est bizarre. Si on regarde de plus 10 PV en du 11, c'est tellement genre 10 fois plus fort normalement. Ça me fume. Ouais, c'est trop drôle. Ah ouais, l'équilibrage en donne fois, il est différent. Mais c'est après aussi, il a été fait à une période où l'équilibrage du jeu de base était pas le même aussi. Hein. Mais c'est comme les Crotox là, les Crotox c'est une sauvegarde à 5, ils ont 4 PV, c'est de la merde normalement, Crotox ça vole. Mais JB je crois que même les seigneurs fantômes ça a toujours été assez tanky en vrai. Ouais non mais je pense par rapport au... plutôt côté sœur de bataille, peut-être qu'à un moment donné dans une... Dans enfin, une édition, rien. C'était fort, dans une édition ils ont peut-être pété un plomb sur leurs dégâts, tu vois. En vrai c'est... il y a plein de trucs bizarres, genre le DVF fufu et tout, il y a plein de trucs chelous, hein. Vraiment. Hein. Mais là, ouais, c'était la version avec les sœurs de bataille, donc j'imagine qu'ils ont boosté un peu les stats aussi, quoi. Ah mais, oui, non, mais t'as pas tort, en même temps, comme Dawn of War est vieux, c'était, enfin, on était encore loin de la V9 et tout, on était en V quoi à ce moment-là. Bon, il devait y avoir des règles et des unités qui n'étaient pas du tout les mêmes en termes d'équilibrage. Dawn of War, premier du nom, c'était V4, ouais, je crois. V4. Ouais. Ouais, je crois que c'était la V4. Ouais, à mon avis, ça devait être le bordel, parce qu'en plus, les sorts de bataille étaient sortis depuis pas très longtemps, je crois. Il y avait moyen que ce soit broken sur le jeu de plateau. Le jeu à 20. Voilà. Ouais, voilà. Vous voulez vous faire une petite last Ouais, moi je suis chaud.
Moi, je suis carrément. Grave chaud. Allez hop, là c'est en minuscule. J'ai mis. Je vais être fatigué demain matin, c'est pas grave. Gna. Pour la bonne cause. Gna mais gna. Vous voulez faire quoi comme format? Bah, 2v2 moi j'aime bien. Hein. 2v2 ouais. Ouais, ouais, c'est cool 2v2. Allez, petit 2v2. Bah, disons que, ouais, au moins, comme tu dis, il n'y en a pas un qui attend jusqu'à la fin du jeu, comme en. Comment dire, en free for all, quoi. Ouais, ouais, carrément. C'est vrai que s'il y a un rush early, tu peux demander à ton allié de t'aider. Alors, c'est vrai que quand c'est chacun pour sa gueule, si tu meurs au début, c'est un peu chiant, quoi. Je vois pas. Hop, j'ai créé la game. T'as mis quoi comme mot de passe? T'as mis quoi comme mot de passe maudit encore, là? Ça t'a pas donné envie de faire des pistes, des six. Là, si l'ami comme mot de passe, il veut vraiment que je fasse des six. Non, ça m'a pas donné envie. T'avais vraiment mis ça. Pas bien. J'hésite, vous voulez jouer quoi? Bon, moi, je vais prendre Space Marine, moi aussi, je vais prendre Space Marine. Ça. Ça suffit. Ça manque. Je vais essayer de rester sur les taux. On fait quoi, les équipes? Qu'est-ce qu'on fait, ouais, comme équipe? Moi je veux bien jouer avec Melkor, mais vu qu'on joue Space Marine, si tu joues tôt, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Voilà, je joue Eldar. Mais après, si vous voulez jouer ensemble, moi ça me fait plaisir de jouer avec Melkor, donc comme vous voulez. Je vais prendre Eldar. En ultoué. Bon, bon, on va leur péter la gueule. Allez. En vrai, Space Marine contre Xenos, moi ça me va. Hein. Ouais, moi je suis très content. Allez, je reste là-dessus, moi. Allez, let's go, je pourrais te coacher. Prêt? Ouais. Ouais. Sauf Melkor. Mais. Allez. Il appuie, c'est bon. Parti. Incroyable. Oh, les Eldar, je me souviens plus comment ça se joue. Hein. Ouais, je jouais plus, ça hein. Quand le jeu est sorti, je jouais Eldar, mais. Oh, c'était loin. C'était il y a longtemps. Mais c'est sur le 2, moi je les trouve. Faut un bac plus 15 pour les jouer, quoi. Bac plus 15! Oh, ouais. Par contre, j'en ai vu hein, des tricks sur Dawn of War 2, j'étais là, les joueurs Eldar, quand ils étaient bons, ah, tu les détestais. Hein. Tu m'étonnes. Bah ouais. Ça se téléportait dans tous les sens, c'était, ça te counter à chaque fois que tu faisais un truc, c'était infâme. Comme sur le jeu de plateau, quoi. Ouais, ouais, ça va. Ça te disait non? Non. 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 Écoute, on va. Attends, y'a pas un bail comme quoi ils peuvent commencer à prod et se barrer après? Ah non, c'est StarCraft ça. Confond. T'as joué beaucoup toi à StarCraft, non? Ouais, ouais, j'ai beaucoup joué à StarCraft. C'est très 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 client. J'ai beaucoup joué en ranked et tout. J'ai pas mal travaillé de StarCraft. J'ai arrêté parce que ça me stressait trop. Ouais, tu m'as dit. Ouais, je comprends. Ça me stressait trop. Le 1v1, c'était trop de pression et je prenais plus de plaisir au bout d'un moment. Je comprends. Mais t'avais joué en compète? Bah je jouais en ranked, j'ai touché le Grand Master une fois et... Ah oui, ouais, c'est pour ça que tu fais la pression. Et après j'ai fait pour savoir, j'ai vu. J'en ai marre de perdre des games juste parce qu'il y a un bonne ligne de merde qui est passé dans mes lignes. C'est vraiment pas facile StarCraft. Ouais, moi j'avais poncé le 1 et le 2, je me suis fait tellement péter le cul en boucle que j'ai laissé tomber le multi. Ouais, le 2 c'était un niveau de tryhard assez vénère. Ah, c'était ouais, vraiment violent. Ça avait l'air. Oh, les voix des banshees. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est pas le plan? Ils ne nous verront pas. Ça a l'air de cher. Putain, leurs avant-postes coûtent moins cher aux Zelda. 80 au lieu de 100. Mettre en place. Je peux plus les jeux comme ça. Les jeux comme ça, je peux plus les prendre. StarCraft, en fait, mes meilleurs souvenirs, c'était les games de 3v3, 4v4. En ladder et tout, genre, c'était trop marrant. Les lobbies 3v3, 4v4, en ranked là, quand on était tous en team là. Franchement, c'est mon dernier. Fais gaffe, tu me décapes, Melkor. Je sais pas si t'as vu. Sans battre les couilles. De quoi? Non, non, c'est juste. Bon, c'est pas grave, on laisse tomber. Ils en ont rien à foutre. et donc, les games 3v3, 4v4? Merci, ma. Pardon! Moi, je t'écoutais, c'est pour ça que je t'écoutais pas. Je suis marié depuis 15 ans, tu sais, j'ai appris à faire des acrobaties.
Je préfère des acrobates. Si, si, j'écoutais, j'écoutais. Si, bien sûr. Mais... Si, si, oui. Et donc. Et donc. Non, c'est trop tard, vous allez m'écouter. Arsenal. Non, non, mais je trouve ça vrai. Je sais pas, il y avait un mood vraiment cool de lancer des ranked sur StarCraft en 3v3, 4v4 parce que t'avais pas la pression de perdre la game dans le sens où t'es 3, tu vois, voire 4 à jouer. Ouais. C'était, ouais. Je sais pas, c'était trop bien. J'aimerais tellement. Tu peux te reposer un peu, enfin, te faire aider. Tu peux, ouais, tu. Bonjour. Oui, ah, bonjour. Ça, bonjour. C'est ouf. Attends, c'est ouf. D'accord. J'ai pas compris le système de prix, mais pourquoi pas. Oula, mais y'a du monde là. Ah, mais qu'est-ce qu'elles foutent les connes. Connasse. Ok, ça arrive. C'est surtout moi la souffrance là, de voir que tu. Ils sont en train de mourir en fait là, donc. Et ils racontent leur live, les Eldar, par contre, quand tu leur cliques dessus. Putain. Fais l'action, arrête de raconter ta life. Ils sont trop chiants. Oh, t'es. Laisse-les, les pauvres. Oui, oui, les pauvres. Les pauvres, ils ont pas juste dominé 7 mois. Ils sont pas juste dominé 7 mois. C'est pas impossible qu'ils aient dominé un petit peu longtemps, ouais. Bon, d'accord. Bizarre cette map, très perturbante. Ces scouts là, ils vont pas s'en sortir en vie. Ah bon? Mais si, regarde. Ouais, montre. Ils sont arrêtés. Oula, mais c'est quoi la masse là? Eh oui. Indiquez-nous nos cibles. Indiquez-nous nos cibles. Ordre. On va tester un peu là, est-ce que ça va? Ok, d'accord. Bien vu, merci à moi. Attention, ou je te jette des gommettes. Je te jette des gommettes, attention. Allez, gommettes. Gommettes, ça peut faire mal, attention. Hein. J'en suis dans mon truc, moi je suis perdu. Attends, allez, attends ça. Du coup, il me faudra un peu de trucs en ça en plus. Ah, c'est bien. Ah, et les upgrades et tout, je sais plus du tout. Mais. Ah, oui. En fait, ah oui, non, mais les Eldar, ils ont 1 milliard d'upgrades en fait. Oui. Bon, allez, monter maintenant, ce sera déjà fait. Ah ça y est, c'est bon. Oh non. Pff, du coup, je vais pas voir ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. Regardez, cela change quand je joue. Oui, c'est bien. C'est quoi ça? Hein? Ah merde, j'ai pas assez. Il faut que je fasse ça. Oui. Bah, oh, c'est bien, oh, ça croque sous la dent les Marines comme ça là. Ça croque sous la dent. Oh, ça croque tellement bien sous la dent les Marines contre les guerriers de feu là. Oh là oh là là, oh là là, il a failli tuer toute la squad. Putain. Non, 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 c'est guerriers de feu. À la place, je jette des gommettes. Alors. Vas-y, mais les corps, on le tente. C'est quoi Alpha qui est bien sur le commandeur? Tu veux fuseur, lance-missile ou lance-flamme? Moi je sens pas trop. Okay, bon, sur vas-y. Le commandeur, faut tout faire. Mais le, je suis, le lance-flamme là pour le moment. Pour voir un peu ce que ça peut donner. Ouh, ça push chez moi. Ouais, ça, il faudrait sortir de ça. Ça pourrait être cool. Il y a un peu beaucoup de monde. Il est reçu ça. J'arrive. Ouais, c'était un peu early autant pour moi. Vas-y, je back. On va y arriver. C'est un peu trop gourmand. T'as vu les grenades comme c'est incroyable? Les mines. J'ai pas utilisé. Non mais les mines. La mine du commandeur. Ah oui, que j'avais tapé. J'ai pas vu quand elle a pété, mais ouais, bah, c'est le fort. Commandeur était full. Je prends... Ah ouais, d'accord. Ah oui, j'aurais pu prendre ça aussi. C'est pas mal. Cibleur, c'est bien. Ça te permet de cibler une cible et il prend la foudre quand tes potes lui tirent dessus. Comme le cibleur du jeu de plateau. Ok.
C'est quoi qui nous tire dessus hein? Ah oui, c'est ça, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, putain, mais remonte, couillon. Bah, ça tire tellement loin, les taux, c'est incroyable. Oui, je sais pas. Pas de problème avec ça. Ce qui est marrant, c'est que sur le jeu de plateau, c'est plus trop le cas, hein. C'est plus du tout la distance sur l'avantage. Ouais, t'as quand même quelques armes. Ils ont réduit les distances un peu tout aussi, parce ouais, que même tout tire un peu moins loin, ouais. Ils se distinguent plus du tout par leur range, en gros. Ouais, c'est surtout ça. Ouais. Mais je me souviens que même les squads intercesseurs, tu vois, à un moment, en fait, c'était les squads qui tiraient plus loin que la plupart des autres Marines. Ça tirait à 30 pas. Ah, les 30 pas, ouais, bah c'est énorme, putain, j'avoue. Ouais, alors que maintenant, ils tirent qu'à 24 pas, tu vois. Ouais, mais 24 pas, c'est une longue portée, hein, pour une unité d'infanterie. Hein. C'est une très bonne portée, hein. Ouais, c'est assez standard, en vrai. Les gardes impériaux, ils tirent à 30 pas. 24. Ouais, mais pour des. Oui, mais bon, c'est des armes légères, quoi. Oui. Bon, en vrai, le bolter, c'est juste force 4. Hein. Bah, c'est ça qui est bizarre en fait. Le bolter, c'est que force 4. Alors mais que. Le bolter sur le plateau, je le trouve nul à chier. C'est le manque de PA qui est nul avec le bolter, je trouve. Mais c'est comme les fusils impulsion des guerriers de feu actuellement. Hein. C'est trop bizarre. Hein. Ouais. Non, mais le bolter, normalement. Ah, ça, j'ai envie ça, mais bon. Le bolter, les Space Marines, ils coûtent super cher. Les intercesseurs, ils devraient au moins avoir un bolter qui a moins. Enfin, PA-2, quoi. Ça reste du dégât. Tranquille, PA-1, c'est déjà très bien hein, pour l'infanterie. En vrai, ils sont c'est trop c'est... cher pour ça. En vrai, moi, je trouve. Hein. Les intercesseurs moi, je trouve ça va. Hein. En vrai, 80 points là c'est 75 les, même maintenant. Oui, il s'appelle. Moi, c'est pour ça que je joue les Stern Guard, du coup, qui ont un bolter que j'aime beaucoup. Ah oui, parce qu'il est assaut ouais. Et heavy. Ouais, il est assaut, il fait 2 tirs. Il est tir rapide aussi. Il est assaut, tir rapide 1. Et il fait des bah, c'est le super bolter quoi. Ouais. Mais bon, c'est quand même mais un peu mou du genou quoi. Il a PA-1 quoi. Ouais. Mais après, ouais. Mais il, je trouve que quand même, c'est un bon bolter quoi. Enfin, il donne un feeling de bolter quand tu fais. Oui. Il a ce côté un peu super polyvalent. Le mec est surentraîné, du coup, il arrive à être apprécié avec quand même. Cher allié, oui. Un petit. Allez. Un petit. Vous êtes sûr? Je sais pas. Non. Je crois qu'ils sont prêts, alors. Je crois qu'ils sont prévenus. Mais non. Venez. du coup, ouais, nickel. Merci encore. C'est parfait. Ouais, il flanque. Absolument incroyable. Putain, mais qu'est-ce que je branle? Non. Ah, c'est un échec. Ok. Ah, oui, tu tentes le. Allez, vas-y, je te suis. Hein. S'il y a moyen de moyenner, moi je dis pas non. Ouais, on peut tuer quelques Xenos. Ouais, non, moi je suis d'accord. Ah, c'est un échec. Oui. C'est un échec. Ils étaient au couvent. Bah, perso, quelqu'un m'a dit, ouais. des bons espions. Oula, je me fais prendre sur le flanc. T'es chier. Bon, par contre. Voilà, mais c'est tellement pas tranquille, c'est un fantôme, quel scam. Vas-y, reviens, c'était marrant là. Non. C'est nul. J'ai perdu mes... Ah non, ils sont là. Ouais, j'avoue... Sortez de la gadoune. Attention ta broadside. Petit repli. Oh, c'est compliqué là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas en refaire là? Ah, pop max, merde. Ok, envoyer ça au milieu. Voilà. Ici, c'est chez nous, d'accord. Bon, je plante la tente. Ouais, vas-y. Ah, par contre, ouais. Oh, un problème. Ils font des dégâts, c'est con. Ils les soignent là avec leur canon là. Je regarde le dégât là. C'est. Ils les soignent. Vas-y, continue, Samuel. Ils sont actuellement en train de les soigner là, c'est pas. Samuel. C'est trop ça le bruit que ça faisait, ça me fume. Exo-armure prête pour l'action. Moral de l'escouade rétablie, très bien.
Ok. Bon bah effectivement, c'est un échec. Bah Alpha. Je le sentais vite fait quoi. Mmh, quoi. Les rangers là. Toi les rangers. Ah, ils sont où? Ils ont eu un XXL. Non mais de toute façon, vu les dégâts, je suis pas sûr que ce soit une grosse perte. J'avoue qu'on va pas se mentir que c'est vrai que ça fait pas non plus... Pas des miracles. J'avoue que le seigneur fantôme, c'est de la grosse chiasse, hein. Oh, c'est pas terrible, ouais. Et moi, je suis habitué à jouer le mien et qui est quand même assez impactant. Oh là là, ça arrive, ça arrive chez moi, là. Non, y'a rien, t'inquiète, y'a rien. Oula. Ah, il fait des bombes. Je peux faire des canons. Ah non, mais... Non. Vas-y. Oh, y'a des crises et tout, quoi, attention. On vient tâter un peu, là. Hop là. Va bien se passer, temporise. Ça va se passer, temporise, je temporise. Franchement, il temporise bien. Oui. Ça se passe. Indiquez-nous nos cibles. Indiquez-nous nos cibles. J'aime ce que tu proposes. Ok. Ok, ça c'est cool. Notre chasse commence. Bonjour. Vas-y, on continue. Vas-y. On est bien. Faut qu'on push là. Non, mais. Ah. Ouh, ah ouais, ça c'est chiant. Ça c'est très chiant par contre. J'aime pas maf. Pas fou. Pas fan. C'est bien les arlequins. Mais putain. Ouais, il va falloir que je back un peu là. Bah, pour faire des performances de théâtre. Comment il est où mon bonhomme là? Ok, tout va bien. Voilà, ça se passe pas de ouf là. Monsieur. Donc ça casse les couilles. Ah, est-ce que j'ai des renforts prêts hein? Qu'est-ce que je branle à la base? Ah, y'a rien qui va là. Ah si, c'est bon. Allez, on avance. Ça dégage ça. Mais comment ça, Pop Max? Tu me casses les couilles. C'est censé faire des dégâts, c'est perdu moral. Merde. Donc là, ça fait des jolis, c'est clair. Ouais, vas-y, petit bac peut-être. Vous aviez besoin d'appui, le chasseur patient attrape sa proie. Bon, on est là. Ouais, vas-y, c'est bon. Ça ira pour cette fauf. Ah, c'était peut-être pas le moment pour le bombardement. On va les faire fuir un peu parce que là. Non, mais en vrai, je trouve que c'est joli. Oula. Il va nous falloir de ça, et lui ce serait bien qu'il sorte. À un moment donné. Ok. Au niveau de l'économie là, ok. Faut que je sorte un truc comme ça aussi. Ça va Alpha? Ça va Alpha? Quoi? Non, bah je demande si c'est toujours vivant. Bah oui. C'est toujours vivant. Ça va toi? Ça va, je vais voir. Bonsoir. Je suis le chant de Führer? Comment ça? Qui était de qui? Bah elle a dit je suis le chant de Führer. Je sais pas bien comment elle l'a dit. Ok. C'est avec quelle unité que tu fais les cerveaux-crânes? Les avant-postes. Ah putain, ok. Mais si tu veux voir l'invisible, t'as besoin de juste de scoop du coup? Si tu veux les voir invisibles, non, hein? Juste, attends, comment ça? Condition annihilation en fait, de l'ennemi. Tu fais des cerveaux-crânes et tu les attaches à des unités par exemple. Pourquoi il y a des... Ah ok, d'accord. Il y a des portes, portail warp qui s'allument chez moi, c'est normal? Oui.
Oui, oui, c'est pour c'est les feux du Gondor. Trop bien. Ah, très bien. Les feux d'alarme. Très bien. C'est les feux d'alarme. J'adore ce que vous faites. Bizarre que les crises soient une à une. Par attends, mais je comprends pas. Comment on fait l'avatar? Comment on fait les... Je crois qu'il te faut la relique, Alpha. On fait les broadside. La relique genre au mid, là? Je crois. Ah, voilà, il est enfin là, lui. Genre. Putain, il est temps qu'il arrive. Les broadside, mais t'en as fait au début de la game. Ah oui, putain, c'est bêtement ça. En effet. Là, ça produit. Là, j'en ai un. Très bien. Ça prend vraiment un milliard d'années, les recherches Eldar. Hein. Les doublages marines, ils sont tellement trop drôles. Je survivrai même dans la mort. Oh, oui, oui. Sur même dans la main. Je me sens un peu à l'étroit sur cette game. Mais non. Oh, bien, t'inquiète, ça va se passer. Le chasseur passion ah oui, c'est ça que j'ai ah, pas fait. Ça putain, quel mood. Oui, soit. Oh là, putain, mais merde, j'avais ah, pas ah, mais qu'est-ce que. Quoi? Allez, on y va, c'est bon, il m'a énervé. Mais comment ça? Attends, c'est quoi qui snipe mes trucs comme ça là? Rien du tout là. Oh putain! On avance, on avance, on avance! Wow, mais y'a beaucoup de monde là! Putain! Allez les boys! Faut leur faire comprendre un peu là. Demi-tour, demi-tour, je suis pas pareil moi. Ok, c'était juste pour me calmer un peu parce que là il me snipe de loin, c'est insupportable. Attends, tu rigoles, t'as vu ce que tu m'as mis? C'est quoi, oui, c'est quoi qui défonce mes skyrays comme ça? Ce que tu mérites! Allez, je back. Comment on augmente la mal, limite là. De pop Ah oui, tu fais un truc sympa derrière nous là. Ouais, j'aime bien ce que tu proposes. Hein? On les a déchirés là. Ouais, là. J'étais tout là, seul, hein, j'étais tout seul les gars. Alpha, comment on augmente la limite de pop en. Bâtiment militaire. Ouais, par contre, Smith, je vais avoir besoin d'aide là, hein, parce que je peux pas tenir le truc tout seul. Je me suis. Il y a un truc pour augmenter la limitation de pop? Ou alors il faut en faire plus simplement comme l'Astra. Faut faire plus de bâtiments militaires. Donc hey boys, ah oui, donc c'est comme l'Astra. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Oui, bon. Voilà. Ouais, ça push. Fais gaffe, hein, je joue défense, j'arrive. Effectivement, t'avais raison. Je suis allé un peu vite. Ouais, ouais, par contre, on va se refaire. T'inquiète. Et je crois qu'il le veut son avatar. Non. Je crois, ouais. Tu dis ça. C'est partagé d'ailleurs entre alliés si l'un de nous l'a, ouais, c'est partagé ça, la condition. Oh la vache, on les a défoncés. Ouais, là on les a repoussés bien comme il faut, ouais. Ouais, ça galope bien les gars et les seigneurs fantômes. Hein. Nice. Ah, c'est après moi. Il va nous falloir de ça. J'ai été greedy. Ouais, des Terminators. Ah. Salut. On se casse. Vous voulez pas rester? Non. Putain. On est bon pour une chose, les Eldar, c'est courir. tout de suite là. Alors qu'on commençait à rigoler. Ah, on va rigoler avec cette Nyx. Il faut que je refasse lui et lui aussi. Il y a eu un bip bip là, normal. J'ai entendu, ouais. Ah, j'ai pas entendu moi. Ouvrir message. Ouvrir message. Il y a, c'est un mail non lu là. Ok. Armure
Ok. C'est vrai qu'ils peuvent se TP les. Ils peuvent se TP si loin les constructeurs Eldar. Comme c'est abusé. Vous bougez, cher allié? Non, non, je vais juste prendre le truc à côté. Un sacré Edgelord, les. Oh là, il y a beaucoup de Marines là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Non, mais qu'est-ce que vous branlez là? Le Pathfinding? C'est bien, c'est bien. Mais putain! Vous arrêtez avec vos bombardements de merde là! C'est trop gay le Skyray pour ça. Il aime bien le Skyray, meuf, je crois. Ah merde, par contre c'est fragile de ouf. Hein. T'inquiète, il va pas aimer le Sky. Le prisme de feu, le Predator là. Oh oui. C'est vrai que c'est stylé aussi, Eldar. Ouah, c'est chaud. Putain, ça cogne, prisme de feu. Allez, on recule, on se casse. Bon. C'est chiant. Putain, mais reste pas dans l'eau, toi, qu'est-ce que tu branles? Tu dis quand t'es chaud, Melko, hein. Il a pas l'air convaincu. Bonjour à tous. Je souhaiterais négocier. La négociation, je suis pas fou, je suis pas fan. Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a possibilité de négocier? Bordel de merde. Personne. Allez les potes, tenez bon. Comme tu dis, tenez bon. Oh l'avatar de Kane, avec la tempête surnaturelle. Incroyable. Ça c'est pas mal. On peut faire quelque chose de cool. Faut que ça tienne, faut que ça tienne. Ah, ah. Ouais, ça c'est sympa hein. J'aime pas. Je suis t'aimes bien. Putain l'avatar, quel tank. Oh c'est ouf quoi, putain, c'est rien que je tape dessus en fait, il casse juste les burnes. Putain cette maxi baston de la mort là. Ok, comment on est là? On est pas très bien. Mais ça va le faire. Gardez le moral les potes, gardez le moral, ça va bien se passer. Si, si, si. Ah ça non, passe de ton côté, Melko, ou quoi? Allez, on part en drift! Le chasseur oh putain! Bouge! Tu vois, pourquoi pas? Tu tires sur tes troupes, baf! Ah yes! C'est toi ça? Oui! Ah! C'est pas très clair quand même l'interface! Ça devient chaud, hein. Ça devient chaud, ça devient chaud! Je pense que c'est une nouvelle map. Je vais le faire remonter. Et l'autre aussi. Putain, c'est chaud! Bon, j'ai tenu, mais j'ai pas ce qu'il faut. Ouais, c'est vraiment assez chaud, ouais. Putain, j'en ai profité de la remue tout à l'heure, je suis trop con. Ouh! Qu'est-ce que je peux avoir de bien contre ça? Peut-être ça, en vrai. Avec les gros coups d'épée là, tellement stylé. Bravo. Ouais, ou un truc comme ça sinon. Ah oui, guide. Ah c'est marrant, n'empêche de voir tous les spells qui sont déjà sur le jeu de plateau. Ah oui, je commence à manquer de ça. Putain, c'est la galère. Ouais, bon, mais le corps, je pense que ça va être chaud. Moi, je me suis fait défoncer là. Ouais. Oh, ouais, non, mais les Terminators, c'est vrai que c'est de la mousse. Il y a les renforts qui arrivent, Alpha. Ah. Encore des skyrays. C'est très efficace hein, contre les guerriers de feu, j'avoue. Hein.
Putain, qu'est-ce qu'il a fait encore comme saloperie? T'es fond de la position. Non, mais en fait, j'ai fumé environ 5 escouades à maf avec juste des scouts en fugue. Ouah, ça va être chaud de gérer ce machin. Hein. Putain de salaire. Ah, ça me laisse, c'est cool ça. Il est mort, mon prisme de feu? Allez, tombez-moi cette merde! Ah ouais, ah oui, ok, boum boum. Ouais, on lâche rien. T'as une armée entière pour tomber cette merde. Oh, coucou l'archiviste! Oh putain! Ah putain, l'archiviste, il s'est fait balayer! Il s'est fait instant! Il s'est fait execute, quoi. Je m'en fous, je vais te le tomber, ta merde! L'avatar va tomber! Il va crever! Allez, l'avatar! Non, l'avatar tombe! Ah putain, pour l'empereur! Et les dragons de feu, ils galèrent un peu. Ah, mais les troupes de base Tho sont assez terrifiantes quand même. Elles peuvent faire de la masse et tirer de loin très mal, et ouais, ça pique. Et quand ils sont en nombre, même les chars, s'ils focus dessus, ils font mal quoi. On a tenu, mais j'y croyais pas. Hein. C'est ouf. Putain de merde. Il focus celle là. Oh, ça sent un peu... Ouais, ça sent un peu le roussi là, on est d'accord. Je me dis, c'est moi ou... Non mais ça suffit, Maf. Maf, il aime trop faire boum boum là, c'est fatigant. Ça, je peux essayer de le sortir, à la limite. Allez, tiens bon, Johnny. Oui, dragon de feu, comme ça pique les véhicules. Wouah. Effectivement, ouais. Ce que j'étais en train de me dire, j'étais en mode... Ah oui, c'est terminé. Ouais, c'est un gros anti-char. Franchement, les termines... Moi, je trouve qu'ils tiennent bien. Hein. C'est peut-être parce que je fais des termines normaux, mais les terminations, ils sont après, assez solides. Après, avec un conseil des pressions, je suis pas sûr que ce soit le mieux. Ouais, oui, conseil des pressions. C'est bien pour foutre le bordel, je trouve, mais ils font pas non plus tant que ça de dégâts. Hey John, on a un rêve. Ouais, ça va pas le faire. Hein. Il se fait contrôle, mon héros, c'est un délire. Ok, cool. Voilà, c'est fini, je crois. It's over, apologize, comme on disait par chez nous. Ouais, non, t'as pas vu ma base là. Le débarquement à l'intérieur. J'aime trop ça quand t'arrives avec les transports et puis pip, 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 tout le monde arrive. Ah, le commandant d'armée il a du boulot là. C'est pas sa guerre là. On pourrait faire ça, ça pourrait être pas mal. Non, en vrai, j'ai vraiment cru que vous alliez nous défoncer au début de la game. Ouais, on aurait dû faire un push plus tôt. C'est notre erreur, je pense. Et j'ai pas profité de la relique aussi, j'étais trop con. On était assis dessus et... Bah ouais, moi, dès que je l'ai prise, j'ai fait l'avatar. Ouais, non mais j'ai pas pensé, j'ai pas tilté. J'étais focus justement à vous arras pour vous empêcher de construire votre armée. J'ai zappé qu'en fait, on était assis sur une relique, quoi. Alors, c'est tellement game changer. En vrai. Ouais, carrément. J'ai complètement zappé. Ah la vache. Le Dread qui m'enchaîne mes trucs. J'ai. Fais gaffe, Alpha, t'as des unités qui dorment dans la base. Je sais pas si t'as vu. Quoi? T'as des unités qui dorment dans la base, je sais pas si t'as vu. Et ils ont du tourisme. Ils ont des unités. Ça allume un mort, c'est un peu l'humain ça! Hein? Ah merde, mon prisme de feu il est stocké, il peut plus bouger! Et entre deux générateurs. Oh, c'est quoi? C'est... Putain la vache! Je me suis fait instant plein de trucs d'un coup là. Ah oui! Ah d'accord. Clim.
Il y a des... Ah oui, les armées de scouts, ça fait trop rire. Ouais, il y a des scouts. Il y a de l'invisible là, Alpha. Ah, c'est des... Il a fait 1 million de scouts, ce coton. Oui. Bon bah, au revoir les scouts, hein. Là, c'est de la défense de ouf, les scouts, avec full sniper. Ah oui. Putain, mais en fait, les scouts m'ont instant tout le monde, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais attends, mais what the fuck, tout le monde est en train de crever, là. Je vois pas d'où ça vient. Oh, c'est... ça a bien marché, hein. Ah bah en vrai, quand j'ai constaté les dégâts, je me suis dit... 1 milliard. Ah oui, hein, c'est pourquoi fusil, quand ils sont 1 milliard, j'ai plus de Skyray. Putain, c'est dommage parce que là, on aurait pu contre-attaquer, mais je suis dead. Parce qu'il n'y a plus rien, quoi, c'est ça qui fait trop rire. Il n'y a plus d'unité sur la map, putain. Ah, t'as des Hammerhead? Ouais. Ah ouais, ça rigole pas les Hammerhead. Essayer d'abattre sa prod. Ah, Scout Sniper, c'est un enfer en masse, ah ouais. Ouais, bah j'ai vu ça, hein. ça one-shot les unités à une rapidité. Ah ouais, c'est ouf. Parce qu'ils ont tous un sniper. Ouais, c'est ça. Ah ouais, là, et là j'en avais 16 ou 20, je crois. Chica Baston. Du coup, en fait, ouais, quand ils s'étaient apportés, ils tiraient et ça fumait des escouades entières en one shot, quoi. Ça. Oui. Un petit crisis qui est caché en mode. Ouais, Dread qui se baladait, qui tapait des véhicules et que l'infanterie à côté se faisait one shot. Bah... Et c'est pour ça que j'ai retardé le temps. Hein. C'est vrai que je m'y attendais pas. Je me suis dit, mais c'est bizarre. C'est comme si, tu sais, ça faisait un peu comme si tu jouais un scénario en solo et t'es dans une zone genre toxique où toutes tes unités meurent. C'est vraiment ça, genre, tout le monde mourira pas. J'étais là, mais ce bordel. Moi, j'appuie sur tes unités, j'appuie sur Delete. Ah oui, ça y est, il met une bombe. Il est trop content. Ouais, je peux bombarder. C'est absurde à quel point ça tank. Hein. C'est un truc de fou, hein. Ouais, c'est hyper tanky. Hein. Ah, les prises de feu n'empêchent, c'est strong. Hein. Ouais. Mais les conseils de prises, c'est pas un dégât insane, mais... les Skyray sur les bases, au secours. Putain. Oh la vache. Eh bah GG, les gars. Ouais, GG, ouais, c'était cool. C'était vraiment cool. C'est sympa, toujours un petit plaisir. Surtout quand je marche, c'est bien. Hein. C'est cool, hein, quand ça fonctionne bien. Ah, quand je marche, c'est un plaisir, hein. Putain, mais Nid, prochaine fois on fait à 8, quoi. Faut qu'on soit 8 la prochaine. C'est trop bien quand on est trop nombreux. Ouais, là, j'avoue, un gros 4v4 là. Ouais, en fait, vraiment, ce jeu, plus on est de fous, plus on rit, quoi. C'est trop bien. C'est trop bien, ouais, quand on est nombreux. C'est plus marrant, ouais. Oh, ouais, mais les gros 4v4, c'est vrai que c'est super cool. Sur les grandes maps là. Ouais. Si t'as armé de scout la prochaine fois, je suis plus de Tactical Marine, ça sert à rien. Okay, full scout là. Full scout. Eh, en vrai. Scout et Space Marine d'assaut, tu joues un Vanguard. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça. Fluffra Vanguard. Ouais, j'avoue. En vrai, à tester. Bah, en tout cas, c'était bien cool. Que des Lord Speeder. Ouais, c'était grave cool. Ah, il y a Raven Guard en plus, ils les ont mis dans les chapitres. Hein. Ouais. Tu peux jouer. Dans les trucs officiels. Bon, messieurs, merci pour ces petites games, c'était très très cool. Mais merci bien. Bah ouais, et c'est vrai qu'on vous. Va essayer de se faire un truc à 8, je suis bien d'accord, ça serait très chouette. Ouais, ouais, grave. Pour la prochaine grave. On fait à 8. On fait à 8, comme ça, c'est le zbeul là, c'est le bon ouais, bordel. Ouais. Bien d'accord. C'était bien sympa en tout cas. Ouais. Carrément, c'était bien cool. Allez, vas-y, et bah les copains, la bonne nuit. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Pareillement. Ciao, ciao, à la prochaine. Ciao.